Salut à toi seigneur de guerre et bienvenue sur Creative Wargame. Aujourd'hui, vidéo analyse des listes du tournoi French Seagull Cup, tournoi Age of Sigmar qui se déroulera les 4 et 5 décembre à Limoges. Pour une analyse de qualité, il me faut des intervenants de qualité et ils vont se succéder au fil de cette vidéo. M'accompagne d'ores et déjà deux intervenants de qualité, en la personne de Sarantai et de Nivek. Les gars, je vous laisse vous présenter en premier lieu, hein. Je vous laisse la parole. On part de... Inconnu, débutant. Jamais vu. Non, ouais, je suis capitaine de l'équipe de France depuis maintenant 4 ans, peut-être 5 maintenant, je ne sais plus. Depuis le début. Et c'est vrai qu'en fait, les French Single Cup sont un bon moyen pour moi pour repérer les joueurs à travers la France, parce que mine de rien, on a quand même plusieurs étapes à travers la France, et là, on se retrouve pour la finale. Et du coup, ça me permet de vraiment visualiser tout le milieu compétitif qui a envie de participer. Évidemment, je me doute que d'autres gens ne sont pas là, mais au moins ça me donne un meilleur point de vue et une occasion de rencontrer chaque personne. Nivek, du coup, je suis le nouveau référent en communication de la OSFF, et c'est pour ça que je suis avec vous ce soir, pour parler un petit peu de l'association et du circuit qui a été mis en place par notre asso. Donc en parlant de l'AOSFF, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que veut dire AOSFF déjà ? Et quelle est la mission, l'action de cet asso ? Donc l'AOSFF, c'est une association, loi 1901, association pour l'organisation de la scène figuristique française, qui a été fondée il y a 3 ans. En 2019, après l'ETC 2019, la volonté de l'association, c'est de créer un circuit de manière à ce que l'ensemble des joueurs français puissent prétendre être repérés par un capitaine de l'équipe de France, Sarantai en ce moment, pour l'instant. Créer un circuit français à travers 5 régions. Voilà, on a un découpage régional, sud-est, nord-est, Île-de-France, centre. J'ai oublié la moitié, je vais y arriver. Sud-est, sud-ouest, nord-est, nord-ouest, centre. Faut arrêter que ces conneries de nord et de sud. Selon comment on est tourné, ça change tout. Droite-gauche au bas, et le milieu. Et donc, c'est votre seule volonté ou... Ça s'adresse à l'ensemble des pratiquants du hobby, que ce soit les joueurs, les peintres, les sculpteurs, les organisateurs, mais aussi les clubs. La structure de l'association... C'est donc une chambre arbitrale, il faut le savoir, avec un pôle d'arbitres qui sont une trentaine environ à peu près à l'heure actuelle, répartis sur tout le territoire français. Tous les clubs qu'ils souhaitent peuvent nous solliciter pour un arbitrage, pour un tournoi, pour un règlement, des questions de règles, absolument. On est vraiment au service de la communauté et du hobby et de l'ensemble des joueurs. On vous en remercie. Là aujourd'hui, donc, on parle de la French Single Cup. C'est un tournoi qui est assez colossal, hein, c'est pas juste un petit one-shot comme ça. Est-ce que du coup vous pouvez nous en parler ? Ça représente le championnat de France, donc effectivement comme on disait, il y a eu 5 étapes d'abord sur les 5 différentes régions de France. Et là effectivement on va se retrouver pour la finale, c'est pour ça que du coup... Les 30 meilleurs joueurs. Voilà. Ah, les 30 meilleurs disponibles. Disponibles. Tout le monde n'est pas forcément disponible, forcément. Effectivement. Évidemment, il y avait 32 places, je crois. C'est ça, et finalement, avec Covid, il y a des gens qui sont un petit peu moins disponibles. Désolé, ça doit être bien, ça doit être dur à vivre d'ailleurs. C'est pas évident, et c'est vrai qu'en fait, le tournoi permet effectivement de faire un championnat de France, mais aussi de repérer les joueurs compétitifs français, parce que c'est vrai que le rôle du capitaine de l'équipe de France, en tout cas comme on l'a conçu en partenariat avec l'OSFF, c'est de créer une académie où du coup on retrouvera les meilleurs joueurs compétitifs français qui veulent faire partie de l'équipe de France. Tout le monde n'en a pas forcément spécialement envie. Mais du coup, de faire un groupe académique où le but va être de step up tous ensemble, enfin de s'améliorer les uns avec les autres, de réfléchir sur des listes, de s'entraîner les uns avec les autres pour ensuite aider le capitaine à choisir ses joueurs à l'intérieur de cette académie, et c'est une bonne occasion pour essayer de voir le niveau des joueurs, de constater comment certains s'entendent avec d'autres, etc. Donc c'est vraiment super choisir intéressant. Choisir tes joueurs et le futur roster aussi, tout à fait. À travers différents échanges qui va représenter la France au prochain World à Prague. Tout à fait. En 2022. Donc là, je pense que le système de sélection, pour essayer d'être un peu clair, donc d'abord, en fait, on a les sélectionneurs qui ont été élus par la communauté de l'AOSFF, sur le site de l'AOSFF, donc il y a eu un vote qui a été fait, donc si vous voulez participer au prochain vote, inscrivez-vous à l'AOSFF. Et donc ces 3 sélectionneurs qui ont été élus
vont choisir, notamment durant ce tournoi, parce qu'il y a deux d'entre eux qui jouent, mais il y en a un troisième qui sera présent pendant les parties pour essayer de regarder, exactement comme moi, pour voir comment tout ça se passe, observer et repérer des talents potentiels. Et donc, du coup, vont choisir ces personnes de l'académie, et c'est ensuite le capitaine, bon, en l'occurrence aujourd'hui moi, qui va choisir parmi ce pool de joueurs pour faire partie de l'équipe de France. Et c'est 8 joueurs cette année. C'est le petit changement. C'est 8 joueurs cette année, plus coach et assistant coach. Plus communément appelé Waterboy. Toutes ces informations et d'autres, vous pouvez les retrouver sur le site de l'AOSFF, bien sûr. AOSFF.fr. Voilà, très simple. Facile à retenir. Et pas facile à prononcer. AOSFF.fr. Ouais, c'est dur, ouais, c'est dur. La SOF. Donc voilà, si vous voulez aussi un retour sur l'ensemble du tournoi, etc., vous l'avez donc sur le site, les différentes listes, etc. Donc là, aujourd'hui, on se concentre sur la finale, donc qui aura lieu là pour nous aujourd'hui, demain, et pour vous peut-être aussi demain ou un autre, ou c'était hier, ou alors, je ne sais pas. Parce que vous pouvez regarder cette vidéo quand vous voulez. Voilà. Mais bon, après, dans 3-4 ans, c'est un peu trop tard. Mais salut à vous. J'espère que si vous voulez des intervenants de qualité. Voilà. Bref, donc plus précisément sur ce tournoi, comment est-il organisé? Enfin, quelles sont les méthodes de comptage des points, etc. Si vous pouvez me parler de ça, ça m'intéresserait. D'accord. Du coup, en fait, c'est la chambre arbitrale qui a décidé de tout ça, comme tu l'avais présenté. Et en fait, ils ont trouvé un système qui marche très bien, qui finalement sera réutilisé au Worlds également, qui est que plutôt que de faire une simple victoire-défaite, comme on peut le voir dans le manuel, c'est-à-dire que si vous avez un point de plus que votre adversaire, vous gagnez la partie, effectivement, c'est quand même plus difficile de gagner une partie avec 15 points d'écart qu'une partie avec un point d'écart. Et du coup, ils ont voulu refléter ça. Et donc, du coup, on a une petite grille qui fait à peu près tous les deux points. Alors, si vous gagnez deux points de victoire, vous ne gagnez que de 1, donc vous faites un 11-9, et ainsi de suite, et ça augmente plus vous scorez. Et effectivement, sur certains scénarios, c'est plus facile de le faire. Je pense à Vendegur, par exemple. Et par contre, sur certains autres scénarios, c'est très compliqué. À part si vous stompez sur l'adversaire, enfin, si vous écrasez complètement votre adversaire, de pouvoir réellement avoir beaucoup plus que lui, notamment grâce à cette version 3, avec les tactiques de bataille, où... c'est vrai qu'avant, on était bloqué si jamais les objectifs étaient pris par l'adversaire, vous ne pouviez pas faire grand-chose. Alors que là, maintenant, on peut quand même scorer quelque chose en utilisant ces tactiques de bataille, en disant, je vais faire courir 3 unités, je vais détruire une ligne. Enfin, il y a vraiment des possibilités de jeu actuelles qui font que, du coup, même avec une armée où normalement, vous ne pouvez pas faire grand-chose, parce qu'on est quand même sur un jeu de pierre-feuille-ciseaux, parce que je rajoute toujours papier, je ne sais pas pourquoi. Puis, soleil. Lézard. Lézard et Spock. Pour les vrais connaisseurs. Tu connais pas? Il faut que tu regardes un peu plus Big Bang Theory. Bref, donc du coup, on est plus sur ça, et effectivement, avant, ça pouvait être un peu frustrant en tournoi d'arriver contre sa Nemesis. Et là, on peut quand même scorer un petit peu et espérer faire un petit 4 par rapport à 16, qui va quand même nous sauver lors du tournoi pour faire quelque chose, comme on a pu le voir avec Mister Za, qui perd sa première partie de FSC, mais qui arrive quand même à finir premier du tournoi, parce que justement, il a réussi à gratter ses quelques points lors de la première partie. Très bien. Ça va, c'était assez clair? Ça me semble assez clair. Cette grille, on y a accès ou pas? On peut la voir? Tout à fait, tout le règlement de la FSC est disponible, et ça fait partie des règlements proposés aux gens qui veulent organiser un tournoi. Donc, dans le site, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Bon, alors c'est un gros tournoi, comme je le disais, qui est au niveau national. Ça m'a demandé une organisation assez folle. Comment est organisé ce tournoi? C'est ma question. Bien, on s'appuie sur les clubs, sur le terrain, en région, tout simplement. Tous les clubs peuvent nous contacter s'ils le souhaitent pour organiser une étape ou un tournoi au SFF. Il y a des contraintes, un cahier des charges très précis. Que ce soit pour les solos ou pour la team, parce que c'est vrai que normalement, il y a des FSC, là, donc c'est la finale, mais il y aura aussi des FTC. Et ce n'est pas le même. Ce n'est pas les mêmes contraintes, parce qu'il y a plus de personnes en équipe, forcément. La seule contrainte, c'est d'avoir, de pouvoir en tout cas fournir une trentaine de tables, à peu près, par étape. Je crois que c'est ce qui a été convenu. Donc on s'est appuyé sur des clubs en région. Donc là, la finale va être accueillie par le club Limoges Wargame. Je tenais à les citer parce qu'ils ont fait un travail formidable sur le terrain pour accueillir les
30 meilleurs ce week-end, ou aujourd'hui, encore une fois, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Donc voilà, donc c'est des discussions, on analyse les propositions, les clubs qui souhaitent accueillir. Parfois, ce n'est pas possible, malheureusement. En fonction des dates, en fonction du nombre de décors disponibles, des choses comme ça. Voilà. En tout cas, on essaye en tout cas d'aider au maximum, de manière à ce que toutes les étapes puissent se passer un petit peu partout dans les régions de France. On remercie jamais assez les clubs qui font vivre de toute façon le Wargame en France, et je pense que ça va être partout dans le monde de la même façon. Ah bah c'est clair qu'on a besoin de la communauté, parce qu'en fait, là c'est vrai qu'on est en train de parler des 30 meilleurs joueurs qui viendront à cette finale, mais ces 30 meilleurs joueurs, ils existent parce qu'il y a d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'un tournoi, ça se base pas que sur les 3 gagnants, ça se base sur tous les gens qui participent au tournoi, et il faut venir, en fait. Enfin, si on a de l'ultra compétitif, c'est parce qu'on a du compétitif, et si on a du compétitif, c'est parce qu'on a une communauté. Et on a réellement besoin de cette communauté pour qu'elle soit là pour nous aider, c'est pour ça qu'effectivement on la retrouve dans les votes pour faire les sélectionneurs, ou en aide avec l'organisation pour les tournois, etc. Donc vraiment, n'hésitez pas à participer au tournoi, parce qu'il n'y a pas de... comment dire... il n'y a pas de mauvais tournoyeur, et on ne vient pas forcément pour gagner un tournoi. On vient pour participer, faire un échange avec ses amis et passer un bon moment. C'est ça. Et vraiment, l'avantage, c'est que c'est un gros tournoi, mais c'est un tournoi qui est ouvert à tous. Vous avez tous... du coup, il y a eu des qualifications. C'est peut-être pas ouvert à tous. Je précise. Je veux dire, pas pour la finale, mais pour les autres étapes. Ah oui. Voilà. D'ailleurs, c'est... priorité aux gens de région. Pour s'inscrire. Vous avez systématiquement deux semaines de priorité pour les gens de la région où c'est organisé. Et après, on ouvre les places restantes à l'ensemble des autres régions. Mais il y a eu des régions, ça s'est battu. Ça prenait quasiment tout. Le sud, vous êtes chaud. Le sud, vous êtes très chaud. Vous êtes très chaud. On a tous eu un besoin de tournoi pour ceux qui aiment ça, certains. Mais c'est le genre d'événement qui est vraiment le bon moment pour commencer le tournoi aussi, pour ceux qui ont toujours un petit peu peur. Parce que vous vous retrouvez de toute façon avec des gens qui seront dans la même situation que vous, des gens qui sont aussi des vétérans, mais qui seront prêts à partager, parce qu'ils ne seront pas en mode grosse pression, on est en entraînement pour les Worlds, etc. Donc ils seront là aussi, il y a du partage qui se fait plus facilement. N'hésitez pas à aller voir les joueurs que vous connaissez, parce que c'est vrai que maintenant avec les chaînes YouTube, il y a des gens qu'on connaît plus que d'autres. Franchement, je ne connais personne qui vous dira « J'ai pas le temps pour toi ou quoi, non, je connais que des gens qui sont là pour partager un hobby. Au final, on est tous là à pousser des pitous, à passer un week-end entre potes. Réellement, le but est là, donc n'hésitez pas à venir partager ça avec nous. Franchement, ça nous fera tous super plaisir. Du coup, je te remercie, Nivek. On va laisser place. Merci. Aux autres. Aussi. C'est moi d'abord. D'accord. J'espère qu'on se revoit très vite. Par l'organisation, pousser des pitous. Peut-être pour les FTC, qui sait. Espérons-le. Nous commençons donc cette analyse de liste avec notre premier intervenant. Bonjour à toi. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci d'être venu. Je te laisse te présenter d'abord. Salut, moi c'est Camille. Vous avez dû vous rencontrer autour d'une table sous le pseudo Loucrage. Je suis un joueur qui a participé aux Worlds à Milan l'année dernière avec l'équipe de France. Je croise les doigts pour le futur. En deux mots, en gros, mon palmarès, j'ai gagné deux French Single Cup, donc une à Sud-Ouest récemment, et l'année dernière l'Île de France centre. Et aussi, sinon, j'ai fait vice-champion du monde au AWS World Solo. Avec Malice Nurgle. Donc moi je touche un peu à tout, j'aime bien les jajoux, surtout les Uruks, c'est mon armée de cœur. Je suis bien content qu'ils aient pris un up récemment. Et à côté de ça, j'ai joué aussi Donet pas mal de temps, et Nurgle pour les Worlds. Et ma petite armée Sylvanette pour le fun. Voilà, donc c'est un peu ce que je joue, maintenant je touche un peu à tout, j'aime vraiment les listes d'impact, les listes agressives, c'est ce qui me plaît. Justement, toi donc tu joues pour cette finale de la FSC. Absolument, je suis qualifié. Bravo. Merci. Déjà. merci. Ça fait plaisir. Tu vas jouer une des cinq listes à Iron Joe, donc c'est une des factions les plus représentées à cette finale avec les Zencheux, ouais. C'est ça. On va commencer. Si tu peux nous parler déjà de ta liste, puisque c'est celle que tu connais le mieux. Effectivement. Sans trop nous dire de. Effectivement, donc les listes Iron Joe, donc il y en a 5 dans le tournoi.
Sur les 5, il y en a quand même, elles ont toutes déjà pris le Warclan Bluetooth. Je vais juste faire une petite parenthèse sur ce Warclan. En fait, pour moi, après, en fonction des trucs, je trouve que c'est un des meilleurs à l'heure actuelle parce qu'il te permet, il permet au Gorgruntas, à la fin de la phase de combat, d'avoir une action, soit de charge, soit de mouvement, soit de piline, ce qui te permet vraiment, avec des tricks de jeu, d'embêter l'adversaire. Et de pas spécialement être dépendant de tes doubles tours. Donc, je pense que les joueurs jouent avec ça, donc voilà. Et sur quasiment toutes les listes qu'on a, c'est des listes quand même très agressives. L'Oru qui est fait pour être très agressif, un ratio dégâts très fort. Donc c'est pour ça, on va dire, après les peaux vertes, tout le monde aime les peaux vertes, on peut pas jeter la pierre aux personnes. Mais en tout cas, les joueurs prennent ça parce que c'est une armée qui a pris un up, alors du coup, surtout l'Iron Joe. Donc là, on va du coup, pour parler un peu de ma liste, moi je joue 2 Mokrusha, 2 Warchanter, ainsi que 6 cochons et 3x3 cochons, qui peuvent aussi bien servir de cordon comme de deuxième vague d'impact. Donc en fait c'est une liste où tu vas vachement tourner autour des Mokrusha qui sont là pour buffer grâce à leurs aptitudes jusqu'à 3 unités pour un CP. Il y a du mouvement, il y a de la létalité, donc c'est une armée très agressive qui peut permettre aussi d'avoir de l'impact T1 ou de subir et derrière sur un double tour de faire très mal. C'est à peu près le cas pour toutes les listes à quelques nuances près. Si on les compare entre la mienne et les autres, déjà c'est le nombre de pauses. Je crois que je suis celui qui a le plus de pauses parce que je prends pas le battle régiment en bataillon. Maintenant, les autres prennent d'autres bataillons pour avoir soit un artefact en plus, soit un trait de monture en plus. Certains enlèvent 3 Gorgruntas pour ajouter des héros, ce qui est aussi intelligent pour avoir une FEP via un sorcier ou via le Fungoid par exemple, aussi pareil, qui te permet de donner un petit CP supplémentaire parce que l'armée est quand même gourmande en CP, on en génère beaucoup au premier tour, souvent parce que si on prend en tout cas grâce au bataillon Warlord son CP tout de suite, après de manière générale c'est pas sûr sur le long terme si on choisit pas son 4+, pour l'avoir en plus, souvent on a vite envie que ces Mokrusha tank parce que ça reste du 3+, on a vu les létalités de jeu, on peut vite commencer à arriver avec un Arcanon qui te tombe dessus, ou une Morati, la Mokrusha elle peut vite commencer à queener, donc on aime l'Orbe de Gloire en tout cas assez rapidement pour la protéger. D'où l'avantage d'en jouer deux. Il y a aussi une liste faite par Andrea Gultar qui lui prend le risque d'en jouer qu'une seule avec beaucoup plus de cochons. C'est à ne pas sous-estimer du tout. Pareil, c'est une liste qui a un énorme impact. Rien que moi, je joue un seul pack de 6, donc imagine en jouer 3, c'est des dégâts considérables, même si on les impacte avec leur Rennes moins 2 grâce à la dernière fac qui les ont aidés. Donc c'est fort. Donc l'Iron Joe, on va dire, voilà, c'est une liste. Les Iron Joe sont une armée qui sont là pour impacter ou encaisser et avoir un double tour destructeur. Maintenant, à l'heure actuelle, ils ont peu de points faibles, on va dire, pour moi, je trouve, à part peut-être la présence sur table. Une fois qu'une Mokrusha commence, une fois qu'on commence à perdre sa Mokrusha, effectivement, on va commencer à réfléchir à utiliser ses CP différemment. Ça n'empêche pas que pour autant, c'est la partie est perdue, même en ayant perdu une Mokrusha, là où beaucoup de listes avec leurs gros monstres, et qu'ils la perdent, ils sont pas bien. Donc voilà, donc c'est vraiment une armée. Ensuite, pour moi, le seul point faible qui peut commencer à vraiment l'embêter, c'est les malus à la touche. Parce que ça touche à 3, donc ça peut commencer à passer à 2, machin, mais si on donne un moins 1, ou même un Archaon par exemple, qui est des démons, et avec son œil de je sais plus quoi, là, qui permet en gros de donner moins 2, mais donc ça s'arrête à moins 1. Mais avec les bonus, voilà, on s'arrête à 4+, c'est pas spécialement très fort. Enfin, ça peut devenir quand même très embêtant. Donc, les Iron Joe, on doit quand même avoir en tête que le choix des activations des unités, parce qu'ils ont une règle qui fait qu'une fois qu'une unité a détruit une unité, une autre qui n'a pas encore combattu peut taper, ce qui s'appelle le smashing and bashing. Et la réflexion de savoir quelle unité va taper en premier, donc bien en fait analyser vos cibles en face, qu'est-ce que vous pouvez détruire avec quelle unité pour pouvoir activer dans le bon ordre. Et c'est quand même méga important parce que des fois souvent on oublie, ah tiens j'active ça en premier, ah mince j'ai pas réussi à le tuer, et du coup on perd une unité de cochon ou une autre Mokrusha, on se dit merde. Et voilà, bien réfléchir à ça. Ça reste un peu plus subtil que juste C'est pas juste je fonce dans le tas, ce que beaucoup de joueurs Iron Joe faisaient en V2, c'est je fonce dans le tas et on verra. Et en fait non, faut vraiment quand même réfléchir et prendre toujours en considération, si j'ai pas le tour 2, est-ce que ça va? Ou si j'ai pas le double tour, est-ce que ça va? Voilà, essayer de réfléchir à ça. Maintenant, ça peut aussi facilement être contré par des listes populeuses qui commencent vraiment à prendre la table. Effectivement, il y a peu de figues, de manière générale. Donc, voilà, même si les cochons comptent comme deux sur un objectif, il y a quand même peu de figues et il faut faire attention à ça. Après, il n'y a pas énormément de listes d'armées populeuses. Non. On voit que les...
considère comme les leads, enfin la faction leader, c'est Tsench. C'est ça. C'est beaucoup, enfin c'est quoi, c'est 4-5 unités Bah c'est, oui, c'est à part une qui est celle de Frank sur Hashtag qui est à base vraiment de beaucoup de pink, qui peut embêter les Iron Joe par la juste de cool avec les malus, etc. Elle fait qu'il y a énormément de figurines sur table, donc même en termes de létalité, c'est dur. Mais sinon, les autres, on va dire, ça se joue dans les deux cas. Pour moi, le match-up, il n'y a pas d'avantage ou d'inconvénient pour les deux. Ça peut se jouer. Tout dépend, on va dire, des placements. Il y a les Night Haunt qui sont, enfin, la liste des Night Haunt qui sont assez nombreux. Et ben, ça serait assez. Enfin, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner parce que je pense que, enfin, en fait, on y reviendra. Ouais, mais clairement, la liste Night Haunt contre les Iron Joe. Alors, je dirais pas que c'est un contre, mais le fait qu'ils ignorent toute la reine. Bah, on a beau avoir le vos cochons avec des reines moins 2, des reines moins machin, si l'adversaire en face sauvegarde bien, etc., ça peut être embêtant. Il y a un trick à faire, tout dépend celui qui jouera contre le Night et contre Night Own, c'est avec la Mokrusha, vu qu'il a plein de petites unités à peu de PV, c'est réussir à chaque fois à se mettre à plus de 3 des unités au moment de faire son action de monstre, et en fait sur un 2+, tu fais D3 plus 3 s'il est full profil, en fait tu tues les unités, tu rebondis à chaque fois comme ça des unes aux autres, parce que tu fais un mouvement de D6, s'il n'y a plus personne à 3 pouces. Ouais. Et ça m'est arrivé lors d'une game faire ça sur des requins qui étaient tous blessés. Il y en avait 2, je sais plus, je crois, ou 3, qui avaient tous pris 4-5 PV. Et donc, du coup, bah, j'ai rebondi dessus et ils étaient tous à plus de 3 les uns des autres. Et t'en as tué 3 avant de commencer à taper, quoi. C'est pas mal. Donc, c'est assez rigolo. Bon, après, il faut faire des bons jets de D6 aussi. Oui, mais D6, en fait, ça peut être fun. T'as déjà 3 pouces pour réussir à utiliser ta règle. Et en fait, du coup, bah, tu loupes. Donc, t'as une Mokrusha qui passe sa sang à sauter un peu partout. Bon, des fois, pas spécialement là où tu veux Galai, donc tu réfléchis, tu dis bon, laisse derrière, mais ça peut être, voilà, ça peut se réfléchir. Mais la liste Night Haunt est quand même, bah, justement, à de la FEP, déjà énormément. Donc, il peut venir t'embêter et se mettre devant toi pour t'empêcher d'utiliser la règle du Mastiff Destroyer, de les règles Iron Joe qui permet de se déplacer si un ennemi est à plus de 12 pouces, de charger s'il a moins de 12 pouces, entre 3 et 12, et piline autour, et non pas taper comme en V2, juste piline autour si on est engagé contre lui. Donc, ce règle est aussi intéressant, bah, ça permet d'avoir un mouvement de piline. Et ensuite, en combat, de repiline. Donc, quelqu'un qui veut essayer de te prendre en coin avec des cochons, bah, tu peux vite mettre tes 6 cochons à la phase de combat. Ouais. C'est. Voilà. Donc, c'est une armée pour moi qui, voilà, qui a pris un vrai up, qui est quand même devenue très forte. Les Iron Joe sont devenus très forts. Maintenant, voilà, c'est. Tout le monde attend un peu la fac de décembre pour leur taper un peu dessus. J'espère que Gamer Show ne sera pas trop méchant avec eux. Ouais. On verra. Oui, et puis c'est aussi en fonction des résultats, je pense. C'est ça. Ils n'ont pas eu beaucoup de gloire encore pour l'instant. Voilà. Laissez-leur un peu de gloire recouverte. Un petit peu. Alors moi j'avais quand même une question. On regarde si on regarde les grandes stratégies de chaque armée, elles sont toutes différentes. On a tenir la ligne, c'est ça. Conserver le sorcier ou des monstres. Bon, ça reste quand même sur, on compte sur la résistance des unités. C'est un peu ça. J'avoue que moi de mon côté, j'ai choisi celle où il faut que j'ai une de mes deux Mokrusha qui reste vivante. C'est un pari risqué, sachant qu'on a envie de les envoyer. Oui. Voilà, celle pour moi qui est une des plus judicieuses, c'est celle d'Andrea avec sa liste. Il a tellement de cochons qu'effectivement, all the line, on se dit qu'à un moment il y a un pack de 3 qui peut rester au fond de la game à la fin de la partie et que personne n'a tué. Ouais, donc c'est plus facilement faisable. Celle avec les sorciers, certains ont mis des Mokrusha sorciers, mais c'est risqué parce que on se retrouve avec des Mokrusha sorciers qui sont aussi générales. Oui, on a envie de le tuer. On a envie de le tuer, c'est le cas dans cette liste-là, vous voyez, les généraux, ce genre, ce qui est... C'est... t'as Nico, pourquoi t'as fait ça? Mais en gros, voilà, effectivement, donc il peut prendre le risque en la perdant de perdre, après sorcerie, de perdre... Après, bon, il a aussi le chaman, il a aussi le fungoïde. Pareil, si jamais il veut être tranquille, il laisse son fungoïde au fond de la table, personne n'ira chercher le fungoïde. C'est vrai. Donc c'est une réflexion. Puis après, il y a à côté aussi de mettre tous ses œufs dans le même panier, ça évite de marquer les tactiques, enfin l'adversaire de marquer trop de tactiques. Si on a le général qui est un monstre, bah déjà bah, il doit choisir entre les deux quand il veut le tuer. Absolument. Non, là-dessus, quand même, c'est assez intéressant. Mais après, une Mokrusha sorcier, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez intelligent sur le fait que bah elle a un mouvement tellement grand que bah peu importe où elle sera sur table, elle pourra dispel en fait tout le temps. Il suffit qu'elle ait un petit décor bonus en plus, bah c'est cadeau. Ouais. Donc c'est quand même aussi intéressant de mettre ça comme ça. Plutôt qu'un War Chanter qui a que 6 PV, bon, non, moi je trouve ça fort. En plus, son sort, celui qui l'a pris, celui qui bash M Lad, je crois que c'est plus 1 au damage. Donc là, il est dur à lancer, c'est pas sur du 8, je crois, mais s'il passe, toutes les unités, je crois que c'est 12 ou 15 pouces, entièrement de la. Donc la Mokrusha a un gros sog, donc entièrement, à plus 1 pour blesser. Ça permet déjà d'économiser une heure de gloire. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc on reste chez les Uruk, mais chez les Cruel Boys. Donc on a deux listes Cruel Boys. La première, donc c'est la liste de Balek. C'est ça. Donc les listes sont assez différentes, pour le coup.
Il y a des choix très différents. Bah, donc, tu peux me dire, bah, déjà celle de Balak. En fait, le choix des deux joueurs, les listes sont assez intéressantes. Celle de Balak a un peu moins de tireurs, mais a beaucoup plus, un peu plus de d'écorcheurs, les Goutripaz. Donc en fait, ils sont là aussi parce que malgré tout, c'est pas non plus une unité. Alors, c'est une unité un peu chère en points à mon goût, mais après, qui est quand même pas, qui va être létale via les mortels qu'elle peut procurer, donc grâce aux chamans qui peuvent aussi leur donner des bonus. Après, ce qu'il a surtout, c'est qu'il a aussi une Rogue Idol qui peut lui servir d'unité un peu tampon pour aller attaquer ou vraiment gérer des menaces parce que ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Maintenant, après sa liste, voilà, il a quand même 9 tireurs qui fait que bah, c'est. Voilà, 9 tireurs, 9 Zarbalatri et Cruel Boy, c'est quand même une unité qui fait beaucoup de mortels. Leur seul bémol, c'est qu'ils tirent pas ultra loin. Maintenant, ils font quand même beaucoup de mortels et la liste tourne autour vraiment du kill à boss sur son vautour, la superbe figue là. Ouais. Elle est forcément très belle figurine d'ailleurs. Qui fait que, en fait, avec une aptitude, pour un, enfin, il peut claquer deux fois le même ordre. Donc, souvent, c'est pour le tir de contre-charge hein, qui va être utilisé pour pouvoir faire tirer deux unités. Par contre, il a qu'une seule unité de tireur. Donc, bon, au moins, il économise un CP pour ça. Mais en fait, le but vraiment des Cruel Boys, ça va être de la jouer un peu défensif. Et chaque adversaire qui s'approche un peu trop près va prendre la foudre sur le tir. Donc, du coup, tous ont pris le Warclan, les Hurleurs. Donc, en anglais, c'est les Big Yellers, mais. On est sur une chaîne française. Donc du coup en fait donc les hurleurs donc ont plus 3 à la portée de toutes leurs armes de tir et au premier tour de bataille ils peuvent relancer un dé etc. par unité donc c'est quand même assez fort souvent pour relancer un dé pour essayer de faire des mains davantage etc. Et donc ce qui est fort autour de de cette liste et qui est un peu dans le même style avec l'autre en fait c'est les chamans. En fait les chamans ils peuvent décider de sacrifier enfin de pas lancer de sort et de donner un élixir sur une unité pour leur faire faire des mortels sur du 5+. Donc souvent on les utilise sur les Bold Boys, du coup les arbalétriers. Je connais plus leur nom français, désolé. Mais voilà, donc du coup donc ils font des BM sur du 5+. Et la règle Cruel Boys en fait, c'est les BM sont faites en fonction du dégât de l'arme. Donc comme ils sont dégâts 2 de base, et ben il suffit qu'on fasse 2-3 bons jets de dés, on peut vite monter une 15, 16, 20 mortels. Et là ça commence à bien avoiner. Et le Guitripa c'est un peu pareil, les écorcheurs aussi pareil, c'est d'unité aussi qui a un petit tricks de jeu qui fait qu'ils peuvent choisir une unité à 12 pouces et si jamais ils tapent sur eux, donc il faut lancer un dé, etc. Mais ils peuvent avoir moins 1 pour les toucher eux-mêmes. Donc ils peuvent être un peu tanky grâce à ça. Ouais. Et puis avec les BM sur le 5+, bah dès que vous les commencez à les jouer en lance, il y a quand même une vingtaine d'attaques, ça peut commencer à faire des mortels quoi. Donc on peut hésiter à les charger ou pas. Maintenant leur seul bémol c'est qu'ils ont quand même une faible bravoure. Donc s'ils sont pas proches du général, enfin d'un kill à boss, ils peuvent commencer à partir assez vite. Ouais. Donc c'est le seul souci. Et les Obgrots Slitas, hein, les Hobgoblins en fait, eux sont là surtout pour faire un cordon. Oui, c'est vraiment empêcher l'effet pas adverse, c'est de la chair à canon. Maintenant, ils ont un petit tir non négligeable, mais ça tire à 8. C'est voilà, c'est pas trop pour ça qu'on les joue. Et la Rogue Idol, voilà, vraiment, grâce à son Feel No Pain qu'elle tank, ça tape fort. C'est pas un mouvement énorme, ça reste 10 de mouvement. Donc, l'hélice qui vont décider d'impacter, elle va être là pour mettre une deuxième couche, des deuxièmes patates dans l'adversaire. Ça tape fort. Ouais. Et ils jouent en une pause, donc l'avantage, c'est qu'il aura toujours le choix. Et moi, la Rogue Idol, je fais une parenthèse, j'adore cette figurine. Ah bah la figue elle est belle. La figue est belle. Bon, la figue est jolie. J'ai ma petite figue custom, moi, mais. Moi, j'ai l'officiel. mais ce que j'aime, moi, je crois que c'est un trait assez unique, c'est que c'est un monstre qui est totem. C'est un monstre qui est totem, mais qui n'est pas héros. Alors, heureusement, certains diront, oui. Mais c'est déjà pas mal. Donc, ouais. Totem qui permet du coup à chaque fois de donner des ordres sur du 18 pouces entièrement. Et son socle est très grand. Oui, oui, voilà. Donc, c'est quand même assez fort. Et il a aussi 2-3 règles pour les enrouges, je crois qu'il leur donne plus 1 à la bravoure. Ouais. Il donne plus 1 au cast aussi pour les magiciens. Oui, il y a ça. La bravoure, je suis pas sûr, mais le cast, c'est sûr. Ouais, le cast, oui. Et que c'est ça, etc. Je sais plus. Mais c'est possible. Mais bon, enfin voilà, ça reste. Elle coûte cher. Elle coûte un peu cher, mais pour moi, on va dire, en termes de dégâts. Alors, souvent, les joueurs les jouent un peu plus en Iron Joe, parce que du coup, elle a le mot-clé Iron Joe, donc elle peut avoir le Mighty Destroyer, elle peut avoir le plus en damage donné par les Warchanters, donc là, elle va vraiment avoiner. Mais ça reste une figurine qu'on peut pas laisser de côté en se disant. Malgré tout, avec un CP, ça reste un monstre, donc on peut pas lui rugir dessus. Enfin, on peut lui rugir dessus, mais pour pas la piétiner, donc lui faire des mortels. C'est 16 PV, save à 4, potentiellement 3, Feel No Pain à 5. Faut quand même mettre des ressources pour la tomber, quoi. C'est vrai. Et du coup, la deuxième liste de l'autre joueur Cruel Boys,
En fait, donc c'est un peu différent de celle de Balek, c'est quand même plus d'arbalétrier. Il en joue deux fois plus, il en a 18. Donc là, on va dire, donc avec en plus un croco, un snatch à boss. Elle, sa règle fait que sur chaque 6, c'est une mortelle en plus. Donc après, c'est une portée en bulle. Donc souvent c'est un jeu, ça va être un jeu un peu assez centré. Mais chaque, on va dire, ça peut se protéger d'un tour 1 de liste adverse qui impacte tour 1 en Alpha Strike, qui fait qu'avec son placement, en se plaçant bien, et ben, on va dire pour 2 CP, il va faire 2 tirs de contre-charge avec ses arbalétriers, plus le bonus, on va dire, du snatch à boss. Là, ça commence vraiment à faire, ça peut monter jusqu'à, je crois, j'ai regardé un peu vite fait, on peut monter plus de 30 dégâts, on va dire, plus de 30 mortels. Donc en face, bon voilà, des Iron Joe qui impactent T1, qui n'ont pas pris en considération ça, une Maw Crucial peut sauter, un pack de 6 cochons peut sauter. Maintenant voilà, pour moi, c'est des armées. Donc lui, après, il joue aussi des Stabas, donc c'est des petits Gloom Spite Gits. Donc on peut dire qu'il y a des Gloom Spite à ce tournoi. Et des Spider Rider aussi pour faire un peu de cordon. Cordon, on voyait quelque chose parce que du coup il est très statique. Est-ce qu'il va pas c'est pour essayer aller chercher les objectifs, je pense, envoyer sur un objectif, dire bah en gros à une unité, bah voilà, écoute, là t'as 5 figues qui me coûtent que dalle en points. Si tu veux l'objectif, faut que t'ailles les tuer, donc faut que t'envoies de la ressource, etc., etc., etc. Et puis malgré tout, bon, ça a une save pas terrible, mais ça se déplace comme si ça avait le vol, etc. Donc c'est des petites unités vraiment qui peuvent embêter. Et puis c'est 10 PV, faut quand même les faire. Il faut aider ça. Et il joue pareil, il joue pas en une pause, par contre il a un Battle Régiment, mais il doit avoir 4 pauses. Donc c'est une liste quand même assez intéressante. Maintenant le problème pour moi des Cruel Boys, de manière générale, c'est qu'ils sont quand même vachement dépendants d'un double tour de leur part. S'ils l'ont pas, souvent c'est difficile. Par exemple, je donne un exemple face à un Iron Joe, ou peut-être on les verra plus tard, mais une liste Dragon, etc., qui va arriver. Même les dragons, c'est pire parce qu'ils tirent, ça fait encore autre chose. Mais une liste Iron Joe, par exemple, qui va impacter le premier cordon, si le Cruel Boy s'est placé ne serait-ce qu'un chouïa un peu mal, il va commencer à perdre tous ses cordons. Et ensuite, il va faire une phase de tir où il va faire quand même beaucoup de dégâts, mais s'il n'a pas le double tour, ça va être dur pour lui. Même s'il y aura des tirs de contre-charge, mais l'adversaire en face va se dire, bah écoute, je perds ça, mais derrière, j'ai tué tous tes tireurs. Et une fois que les tireurs sont tombés, s'il reste plus que juste les héros, il fait plus rien, le Cruel Boy. Pour en finir avec la destruction, on termine avec les Sons of Behemoth, les fils de Behemoth, les gros géants. Les gros géants qui sont forts. Alors, rappel rapide, on les a tout de suite vus comme top méta. Au début, il y avait 3. Alors, c'est et ça. La saison de Gur. Bah, en fait, leur statut de monstre et le fait qu'ils puissent enfin recevoir les traits de. Enfin, pardon, excuse-moi, les aptitudes de commandement générique, on va dire, leur ont donné un up, qui ont permis de leur donner plus 1 à la sauvegarde, ou plus 1 pour toucher, etc. Les ont remis un peu sur le devant de la scène. Avec cette nouvelle méta qu'il y a eu en début de V3, où il y avait beaucoup moins de figurines dans les listes, un peu plus de MSU, du coup ils étaient quand même très impactants grâce à leur règle qui compte comme 20 figurines ou 30 en fonction de la tribu. Donc on les a revus là-dessus, et pareil, donc leur gros tanking, beaucoup de PV, c'est une armée qui est restée quand même, qui peut encore rester. Dans des rosters ou même sur qu'on peut voir souvent dans des tables. Maintenant, le up des Iron Joe les a un peu descendus avec la létalité qu'ils leur procurent. J'ai joué, par exemple, pour donner un exemple, j'ai joué contre un joueur à la French Eagle Cup Sud-Est, et en un tour, j'ai réussi à en tuer deux en fait. Donc, à partir du moment, on a quand même beaucoup de létalité. Donc, le placement de ces géants est très important, avec lequel on va utiliser son aire de gloire pour se protéger, etc. Donc voilà, donc c'est quand même, ça reste quand même une armée pour moi qui est intéressante, surtout qu'il y a peu de figues, quoi. Donc déjà, c'est pas besoin de se prendre la tête, mais faut pas l'oublier une, quoi. Oui, si on en laisse à la maison, c'est compliqué. Chaque élément est très important. C'est ça. Bon, alors ici, d'autant plus, parce que bon, il n'y a pas 40 listes géants, alors, mais bah là, il n'y en a qu'une seule, on va dire, au tournoi. Ouais. Non, mais je veux dire, même en termes de possibilités globales, hein, avec il y a quoi, 5 entrées, 6 6 5 entrées. 5 Oui, 5 avec pas, les moniteurs. Bah si, non, ils ont 4 entrées. Les 4 gros géants. Ils ont, bah, il y a celui de Forge aussi. Ah oui, il y a celui de. Ouais, mais il n'est pas dans le Battle Tom. Il n'est pas dans le Battle Tom. Et les petits, les moniteurs. Donc les moniteurs, qui sont les petits géants, mais qui d'ailleurs on ne voit pas dans cette liste. Il y en a qui n'est, voilà, ils sont absents. Et on en voit même de moins en moins, donc on voit que 2 entrées. Le Kraken Eater n'est pas joué, alors que dans certaines autres listes il est joué. Là c'est une liste un peu plus qu'on peut voir dans les tournois anglais. Donc c'est les deux Gatebreaker avec le War Stomper,
Et deux War Stomper. Alors là, dans la liste de Mua, elle est assez intelligente parce qu'il a pris quand même le temps de mettre les traits de commandement, les artefacts sur différentes unités et pas tout sur une seule. Donc ça donne quand même plusieurs cordes à son arc, on va dire, pendant la partie. Voilà, donc c'est quand même un géant, c'est 35 points de vie, save à 4 de base. Donc déjà rien que ça, bon, faut y aller. Leur dégressif est quand même assez. Ils ont un statut dégressif, mais il faut déjà lui faire 12 PV pour lui mettre un dégressif, et souvent c'est une attaque en moins, donc c'est pas vraiment un truc de fou. Ouais. C'est que donc les dégâts de breaker sont vraiment. Les deux dégâts de breaker sont là pour taper fort. C'est une unité qui tape très fort, qui avoine, il casse des bouches. Et les War Stomper, ils tapent fort, mais surtout contre les Horns. Ils font. Après, bon, parce qu'en fait, ils ont des attaques en plus en fonction du nombre de figurines qu'il y a autour d'eux. Donc ça devient très intéressant, donc vraiment contre là où il y a beaucoup de figurines en face, les unités avec beaucoup de figurines, ça a commencé à taper fort. Dans sa liste, on peut voir que du coup son général, il lui a mis un trait de commandement qui lui permet de relancer les sauvegardes de 1. Donc c'est pas déconnant, sachant qu'on peut les monter en sauvegarde à 3. Donc si en face il n'y a pas trop de rennes, il va tanker, et en plus il a un artefact avec une Field No Pain, enfin une ward à 6. Sur l'autre Gatebreaker, il lui met la ward à 5 de l'artefact générique, la mise de la destinée, donc ça fait quand même déjà deux géants. Pas simple à tomber. Après, c'est un War Stomper classique, machin. Et l'autre, on va dire qu'il y a le sort qui peut lui donner donc les armes enflammées plus 1 au damage. Donc il va se retrouver quasiment avec un War Stomper qui tape aussi fort aussi qu'un Gatebreaker en termes de dégâts. Ce qui sera dégâts 3 au lieu d'être dégâts 2 sur les armes de base. Donc c'est quand même pas déconnant. Maintenant, voilà, c'est une armée. Du coup, il compte que comme 20 sur les objectifs. Donc c'est intéressant, mais c'est pas 30. Souvent, on le voit plus avec le coup des 30. On peut commencer avec des spams d'unités, etc. Maintenant, voilà, il y a peu d'unités dans le jeu qui, en une frappe, peut tuer un méga gargante d'un coup. Il y a des listes qui peuvent le faire avec des combos, etc. L'Iron Joe, des listes COS, etc., qui peuvent réussir à faire ça. Mais voilà, donc le problème pour moi, donc c'est une liste quand même qui est intéressante. Son seul hic, c'est que si en un tour, il perd deux géants, là, ça devient très compliqué pour lui. Bah oui, ça me souvent, les listes font qu'ils en perdent un par tour, et bah, on va dire au scoring, il reste devant. Donc les scénarios, il va y avoir beaucoup d'objectifs sur la table. Ça peut être compliqué pour lui, en tout cas, de s'envoler au score. Ça peut, on va dire, sur des scores, on va dire, parce que les scénarios V3, on n'a plus besoin de contrôler tous les objectifs sur la table, à part un ou deux. Mais souvent, c'est juste d'en avoir un plus que l'adversaire, ou pareil que lui. Donc, ça peut rester à peu près sur des égalités, ça se crée sur les fins de partie. Mais sinon, de manière générale, c'est quand même quelque chose qu'il faut réussir à tomber. Puis ils ont une petite règle sympa quand ils meurent en plus. L'adversaire et le joueur lance un dé, et celui qui a gagné le dé, en fait, choisit où le géant tombe, et ça crée des mortels. C'est dommage qu'il ne l'ait pas donné au joueur méga gargante direct, ouais. Parce que quand même c'est séphique, quoi. Ou il a un petit plus 1 pour ça. Donc voilà, donc c'est une armée létale qui tank. Et voilà, maintenant après c'est peu de fixes, ça compte comme 20. Donc voilà, il y a des comptes maintenant, il y a des armées qui peuvent le contrer. Le joueur, Mieux d'Hiver, avait quand même fait premier une French Single Cup avec. C'était pas exactement la même liste, je sais plus si c'était la même ou pas, mais en tout cas un peu dans le même style, donc il sait les jouer. Il mettrait sa liste, quoi. Très bien. Et pour finir, quand même, sur la grande stratégie choisie, bon, bah, c'est de faire survivre un monstre. Beastmaster, je comprends pas. Il aurait pu prendre. Il aurait pu prendre All the Line. Il aurait pu prendre All the Line, sachant qu'ils sont pareil, tous lignes. Donc ça revient à peu près au même. Mais c'est vrai que le sorcier, non, ça aurait été un peu moins judicieux de faire ça. Mais bon, il peut se faire table rase quand même. C'est possible de se faire. Ça peut arriver. Ça peut arriver de se faire table rase, etc. Maintenant, voilà, il y a 5 Iron Joe dans le tournoi. Voilà, j'espère pour Mué qu'il tombe pas dessus ou qu'il se soit entraîné pour essayer de contrer les listes Iron Joe, mais c'est en termes de létalité, c'est compliqué. Ouais, mais bien, nous verrons. Nous verrons. Bien, on passe à la suite. Donc on passe à la suite, et pour cette suite, Sarantai nous rejoint à nouveau. Il y a bien un petit peu d'aide. Voilà, c'est ça. Tout le monde n'est pas expert de toutes les listes, donc voilà. Là, on s'y met à plusieurs. Je fais ce que je peux. Bon, si toi, si d'accord. Je fais croire, je fais clairement croire. Alors, merci à Titi d'avoir beaucoup aidé aussi. Oui, carrément. Donc on passe aux Daughter of Cain, les filles de Cain. Qui est donc une seule liste d'armées, si je ne m'abuse. Ouais, ce qui est étonnant, parce qu'au final, normalement, je pense qu'il n'a pas de match-up facile, ça c'est clair et net, mais il n'a pas de match-up fermé non plus. Donc je pense vraiment qu'avec cette liste, Pavel, il peut faire quelque chose. Non, c'est clair, dans sa liste, c'est intéressant, il a quand même deux grosses menaces. Il a des menaces de tireuses qui sont là, aussi bien pour les tirs de contre-charge comme pour les tirs classiques.
En plus, il a Mirror Dance, mais par contre, il n'a pas le temple qui lui permet de la TP. Oui, là, il désengage et charge, qui est mieux pour la Shadow charge, Queen. Donc, c'est mieux pour la Shadow Queen, même les Witch Elf potentiellement pour aller loquer, se désengager, reloquer des trucs. Voilà, mais après, ces deux grosses menaces sont surtout la Morati, la Shadow Queen et la Kalyan Leviadon, qui est là en tant qu'allié parce que ça fait quand même des dégâts non négligeables. Ouais, c'est surtout un gros tank, quoi. Pour moi, c'est vraiment le Bloodstalker le gros dégât. Maintenant, oui, en fait, bah c'est vrai après, que sans la TP téléportation, il est vraiment plus dépendant des scénarios, voir où est-ce que. Enfin, s'il peut être apporté dès le T1, parce que c'est vrai que sinon, vraiment le combo classique d'Author of Kane, on téléporte les Shadow Stalker, enfin les Blood Stalker, pardon, et il reste dans les 24 pas de Morati, donc on peut les faire tirer en face des héros, ils tirent, enfin voilà, il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses comme ça. L'inconvénient là, c'est qu'effectivement, bah, il est dépendant de pouvoir les faire. Avancer jusque là où il veut. Il joue pas l'Iron Scale, ce qui est vachement intéressant, il parce que joue du pas coup, scale, non. Il joue avec une Blockdrake Medusa pour gagner un sort en plus. Donc vraiment, on est parti sur tout mettre sur la Morati. Sur et Morati avec Mind Razor, pour voilà. Vraiment accentuer ses dégâts à la charge. Et du coup, les Bloodstalker sont peut-être plus là pour soutien, plus qu'autre chose. Et c'est peut-être là c'est où, ça. Effectivement, tu as raison. C'est le Léviadon est là pour. Bah, le Léviadon, pour il est là aussi. En fait, c'est moi, je le jouais pas mal en Idonet. C'est quand même une figurine qui, bon, qui est déjà pour le tuer, il faut quand même y aller. C'est une save à 2+ de base. Après, c'est pas un héros, donc il peut pas avoir. S'il a pas de héros à porter, pas tu gloire, peux pas trop lui donner pas... d'ordre, etc. Mais bon, bref, ça reste du 2+. Et ensuite, bah, ça reste une unité que tu peux te permettre d'envoyer au CAC contre autre chose, parce que, ok, ces ailerons sont reine moins 1 seulement, mais ces mâchoires contre les monstres sont assez forts, parce que ça, sur un 6, c'est 6 mortels flat, et sinon, contre les autres unités, ça reste 3. Donc ça tape quand même, ça tank. Bon, après, il a pas tous les buffs, il aura pas son plus 1 sauvegarde qui donne, parce qu'il n'y a pas le mot-clé Idonet chez les Daughter of Kane. Mais voilà, c'est une figurine que moi je trouvais ce genre de liste plus intéressante, peut-être en début de V3. Maintenant, avec encore une fois, un peu comme les subs, avec des Iron Joe, avec des reines moins 2, 3 qui vont lui tomber dessus, ou des Stormcast avec beaucoup de reines au tir, etc. Là, le Léviadon, je sais pas s'il va faire long feu. Maintenant, dans les listes actuelles, c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à avoir 10 Bloodstalker à la place du Léviadon. Moi, je trouve même que c'est quand même intéressant. En plus pour le désengagement. Oui, ça aurait pu être aussi. Moi, je trouve que c'est intéressant quand même le Léviadon. Déjà, il va pouvoir scorer certains objectifs. Là, il n'a plus qu'à transformer une de ses figurines en monstre pour pouvoir faire les 3 monstres qui courent. C'est ça. Il peut vraiment plus facilement faire un conquer. Enfin, franchement, moi, je pense qu'il y a vraiment de l'idée dedans. Il a l'air d'être plus à l'aise avec. On l'a déjà vu en FSC avec. Franchement, il y a beaucoup de choses avec. Surtout que le joueur a aussi joué Idonet pendant quelques temps. Donc, il connaît bien les deux armées. Donc, s'il a fait le combo, c'est que ça a été réfléchi. Là où j'ai peut-être un peu plus peur pour lui, c'est sur sa grande stratégie. Parce que du coup, le Hold the Line. Oui, c'est ce que je me disais. Je t'avoue que, bon, bah, faut que les Bloodstalkers survivent. Quoi. Ouais, c'est un petit peu plus ça. Maintenant, c'est vrai qu'il avait pas beaucoup d'autres choix. Puis les petites Kinerai, bon, elles sont surtout là pour rester en faible, venir chercher un objectif, avec, profiter du tir pour un petit mouvement en plus, mais elles servent pas à grand chose de plus. Ouais, il va en invoquer. Il peut en invoquer 5 aussi gratuitement, mais voilà, donc il aura une dizaine sur la table, mais en gros, celles-là, elles sont surtout là pour rester en faible, à moins vraiment d'avoir besoin d'un cordon supplémentaire. Mais je pense que vu la taille du Léviadon, on peut aussi s'en servir comme cordon. Tout à fait. Le tanking du truc. Tout à fait. Non, franchement, je pense que la liste, elle est vraiment ouverte. Il n'y a pas de match-up fermé pour lui. Donc on va vraiment avoir. Du coup, c'est compliqué sur un tournoi solo parce que 5 parties avec des match-up ouverts, certes, mais bon, tous les gagner, ça devient très compliqué. À voir. En tout cas, il n'a pas d'adversaire contre qui il se dit ok, celle-là, elle est perdue. Et en soi, bah, y a pas beaucoup d'armées qui peuvent dire ça là, non, à ce tournoi-là. Après, il aura une pause aussi, donc il aura les 3/4 du temps le choix du tour ou pas. Enfin, du tour 1, qui choisit le tour 1 ou pas. Donc ça, c'est aussi intéressant. On passe donc au Fire Slayer, ces puissants duardins qui sont immenses. Voilà. alors, donc, je disais, pas mal d'entrées ici. Alors, est-ce qu'on peut parler de MSU? Oui, enfin non, parce que quand même, c'est des multiples grosses units. Bah, on en a fait, du 15, tout ça. Bah, 15, oui, surtout que du coup, ils sont à 30 PV, ils ont leur 4 plus 1 vu quand il y a un héros à côté. À 10 pouces. En fait, c'est plus parce qu'il est pratiquement obligé, dans le sens où il a deux solutions pour protéger ses héros. Soit c'est les mettre sur magma droite, pour que du coup, il y ait un pool de PV dedans. Soit effectivement, c'est de mettre les Auriker's Guard à côté, qui vont pouvoir récupérer les PV. Sachant qu'en plus, en vrai, comme c'est très mal écrit sur les Hurricane's Guard,
En fait, il jette les dés après avoir. Il alloue les blessures après avoir jeté les dés sur l'unité. Donc, même s'il reste que 1 PV dans l'unité de Wreaker's Guard, il peut allouer 50 blessures dessus s'il veut. Petit trick, si jamais tu l'avais pas vu, Frosties. donc voilà, ça c'est pas mal intéressant et ça lui permet vraiment d'augmenter la survie en fait de ces Earth Guard Berserker qui tapent très fort, même si il va pas être content, mais je trouve que l'armée est vraiment, on va dire, aléatoire, dans le sens où tu mises beaucoup avec les deux runesmithers qui vont mettre les deux unités de 15 en frappant profondeur, en réserve, et donc du coup vont pouvoir arriver sur la table n'importe où à 9 pas de l'adversaire, donc une bonne prise d'objectif, une bonne agression, encore faut-il réussir sa charge. Après, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'est pas obligé de le faire aussi. Non, c'est vrai. En fonction du scénario et du match-up ou de l'adversaire, il peut se décider d'en mettre qu'un seul pack pour avoir une seule menace et mettre potentiellement des... Un deuxième héros. Voire même des Wreaker's Guard, parce que les Wreaker's Guard sont aussi des tireurs qui sont forts contre les monstres. En fait, ils ont plus de dégâts et je crois qu'il leur réduit le mouvement par deux. Tout à fait. Donc en fait, ça peut être intéressant des fois pour certains joueurs de dire je sacrifie, alors j'aurai moins de tanking sur mes héros pour envoyer des points de vie. Mais derrière, en gros, il va mettre en faible 5 Wreaker's Guard, il va pouvoir apparaître, tirer sur un monstre qui l'embête. Et s'il arrive à lui faire une blessure, je crois que c'est un truc comme ça. S'il lui fait une blessure, qui n'est pas sauvegardée, en fait, il divise son mouvement par deux. Voilà, c'est déjà ses dégâts doublés, donc enfin, ses dégâts deux. Et ensuite, ça lui divise son mouvement par deux. Donc sur une Mokrusha, sur un Archaon, sur une Morati, etc., tu sacrifies 5 mecs qui te coûtent 125 points, pour potentiellement. Et un héros aussi, hein, mais potentiellement derrière, vraiment réduire. Réduire un petit peu le mouvement de l'adversaire, ce qui fait que des monstres comme ça qui se déplacent moitié moins vite, déjà c'est moins menaçant. Surtout si en plus il les a mis un peu en retrait pour les protéger, il peut plus passer au-dessus de ses cordons, ça devient compliqué. Donc c'est intéressant. Maintenant, les Earth Guards, comme tu l'as dit, c'est une unité qui tanque surtout grâce aux héros, sinon ils n'ont qu'une ward à 6 classique pour eux, mais après ça tape super fort. Et le fait maintenant, les CP génériques, les points de commandement génériques qu'on peut leur donner pour plus 1 pour toucher, ils peuvent même se le donner eux-mêmes. En fait, ça fait que c'est une des unités les plus létales du jeu. C'est certainement une des unités les plus létales. Leur range 2 aussi les rend très forts. Maintenant, là où moi je trouve ça très malin, c'est que du coup il s'est rajouté le Celestin Prime pour justement être sûr de pouvoir charger quand il en a besoin. C'est la petite virgule qui va bien. Franchement, je trouve ça c'est très malin. J'allais dire sinon la liste est presque classique, mais il n'y a que lui qui les joue. Du coup, effectivement, elle est classique par rapport à ce qui sort habituellement en France. On n'en voit pratiquement pas à l'étranger. Il arrive à très bien scorer en France. Franchement, il tire son épingle du jeu et le Celestin Prime, je pense, est vraiment un très très bon ajout pour fiabiliser cette armée, justement. Le Prime, en fait, c'est vraiment une figurine qui. Je sais pas que je l'ai pas vu jouer avec le Prime, etc., mais. Moi j'attendrai quand même presque un peu le plus longtemps possible pour l'envoyer sur table. Tour 3, et là il devient destructeur. Après c'est une figurine, beaucoup diraient ouais il tanque pas, c'est 8 PV, save à 3. Il a une invue à 4, oui. Il peut passer en save à 2, potentiellement il y aura Rain moins 1, Rain moins 2, avec Rain moins lui pourra... Il pourra pas lancer de sort, c'est une figurine qui devient quand même très tanky. Donc c'est 8 PV, certes très tanky, mais en même temps c'est normal, c'est le Celestin Prime quand même, faut pas déconner. Maras, hein. ça a dû créer une troisième menace que Frosties n'avait pas spécialement sur ses autres listes, qui tape quand même très fort, etc., qui n'a pas peur d'aller foncer dans un monstre, peut-être juste Archaon si c'est un Zenshu en face avec beaucoup de dés de destin où il a du 6, il va pas y aller, mais voilà, les Earth Guard derrière, donc ça lui fait quand même plusieurs vagues, il peut se dire, je mets qu'une seule unité en faible, parce que en tout cas, en frappant en profondeur avec un Westmeter, parce qu'il sait qu'il aura le Celestin Prime, qui lui sera en frappant en profondeur. Ça fait déjà une menace. Donc s'il peut en avoir deux, avoir une unité sur table pour pouvoir se défendre, et aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'est qu'il joue la loge Emdar, qui lui permet, grâce à un héros, donc pas le Celestin Prime, mais grâce à un héros Fire Slayer, à 12 pouces entièrement, en fait, de taper en début de phase de combat. Ouais. Donc, il y a eu en V3 des petites règles qui font qu'on peut quand même donner des plus un sauvegarde, etc. Et ensuite, il t'apprend en premier. Tout à fait. Mais ça reste quand même très fort. Ce qui veut dire que toute liste d'impact va réfléchir en fonction du placement du Fire Slayer à se dire ok, j'impacte. Et si on a. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois dans mes débuts, je connaissais pas trop les Earth Guard, je me dis bon, je vais y aller. J'avais envoyé une Mokrusha, 10 brutes et 3 cochons.
bah ils sont plus là quoi. Ils étaient plus là, ils sont fait. C'est eux qui ont chargé. Et c'est moi qui ai chargé. Donc en fait, c'est ça qui est très surprenant. Souvent, beaucoup de joueurs que maintenant, comme pendant quelques temps en V2, la méta était tir, on les voyait beaucoup moins. Oui, parce que du coup, on tuait les héros. Et du coup, en fait, les Earthguard ne survivaient pas. C'est ça. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Les Éternels de l'Orage, de leur nom de Molière. Français. Voilà. Oui, effectivement. Dans la langue de Molière. Donc c'est des Éternels de l'Orage sous Lost de Marteau de Sigmar. Tout à fait. C'est dur de jouer avec les... De jongler avec le français, mais il faut s'habituer. Eux, ils ont tous leurs termes en français. Donc, heureusement, il n'y a qu'une seule liste. Ça va, c'est vrai, il n'y a qu'une liste en casse, ça va. Voilà, tu veux dire éternel. Désolé. On aura essayé. Donc, du coup. Alors, comment que ça marche pour vous? Écoute, il y a trois grosses unités. Je pense que ça va être assez simple. Hein. Ça va être le Stardrake, qui est vraiment là pour son rôle de tanking, qui va avoir un bon tir, un bon corps à corps, mais il est vraiment là pour tanker et bloquer la table, prendre les objectifs, aller bloquer quelqu'un. En plus, il peut retreat et charge s'il en a envie. Je pense pas qu'il fera retreat et tir. Il a sa règle aussi avec sa gueule caverneuse là pour pouvoir manger. Qui marche très bien contre les pings. Ah, s'il marche très bien contre les pings, qui marche très bien contre tout ce qui a 5 points de vie sur un malentendu. Je peux commencer à grignoter des cochons, des cure-notes. Tout à fait, ça se tente. Donc c'est vraiment intéressant. Le Stardrake là-dessus, c'est assez fort. Donc, c'est une grosse figurine qui tank fort. Qui se déplace bien, mais son tir est pas déconnant. Donc vraiment, non, il a un très bon tir maintenant. C'est vraiment très intéressant. C'est à peu près le seul monstre accessible pour l'instant, en tout cas là pour le FSC, chez les Éternels de l'Orage. Ouais, parce que les dragons sont pas encore présents. FSC, pour la FSC. Ouais, pour la French pour la FSC, le truc. Ah oui, c'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas de dracorage. Oui, voilà, on est content. Voilà, savoir que. Au moment du tournoi, donc sous peu, les dragons seront sortis. Non, ils sortent pas samedi. Ah, peut-être. Ils sortent samedi. C'est un peu short pour que. Ouais, c'est un peu short. Ça va être dur au départ. Donc ils n'ont pas été. Ils sont bien sûr pas pris en compte. Ils sortent samedi. Ouais. Et oui, ça il faudrait. Mais c'est vrai que les listes auraient peut-être été différentes. Ouais. Mais là, ici, donc, c'est le seul monstre vraiment accessible avec l'autre Stardrake. Après, on peut dire qu'il y a plus ou moins des dragons. Du coup, il y a des Stardrake, il y a des Fulminators sur des petits dracotes. Bon, ouais. Bah alors, ils sont très forts, les dracotes. Donc, on va passer à la deuxième unité qui tape fort chez eux, donc le Fulminator, dont on entend beaucoup parler sur pas mal de forums, avec effectivement en charge des dégâts 3, du raid -2 aussi bien pour la lance que pour la monture. C'est ça. Ça fait très mal, encore faut-il charger. Là aussi. Je pense très sincèrement qu'il va souvent les mettre en réserve pour tenter une charge à 9. La reroll, il y a moyen de faire beaucoup de petites choses comme ça. C'est un petit peu de tir aussi pour laver un peu de cordon ou un tir, etc. qui font des mortels. Quelques BM. Ouais. Après, c'est une unité qu'on voit quand même un peu plus en Cities of Sigmar, grâce surtout en Living City, qui leur permet de pouvoir avoir un mouvement par la suite après avoir tiré. Donc ce qui fiabilise vachement la charge en fait et l'impact qu'ils peuvent avoir maintenant. Une charge à 3, c'est plus simple. Voilà, c'est un peu plus simple, ça se rate même reroll. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même, ça sert un peu à ça. Après, c'est une unité quand même qui a une grosse sauvegarde, ça tank. Ils sont élites, donc ils peuvent se donner des ordres eux-mêmes. Tout à fait. Donc aussi bien pour avoir plus un sauvegarde comme plus un pour toucher. Donc c'est pour moi à l'heure actuelle, on va dire en termes de d'unité un peu d'élite, etc., une des meilleures du jeu. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Les Fulminators ont été mis un petit peu sur le devant de la scène. Ils ont aussi un bon range, donc ils peuvent pouvoir quasiment taper. Quand on joue les 4, ils peuvent taper les 4. En plus, bon, il n'y a pas de souci. Ils ont pas un bon range. Ah bon, c'est pas range 2 ? Non. Avec les lances ? Oui. Ça reste un bon range. Les warshop, tu changes ça. Non, après, c'est vrai que honnêtement, faire taper les 4 n'est pas une grosse difficulté. Oui, de toute façon, en tous les cas, ils peuvent taper parce que bon, ils n'ont pas le souci de la cohésion, etc. Donc bref, pour moi, c'est une grosse unité. Donc effectivement, il va pouvoir impacter ou avoir une deuxième vague par la suite si l'adversaire s'approche un peu trop près de ses libérateurs pour tuer ses lignes, tuer ses héros. Ben, ils vont arriver, etc. Donc par contre, voilà, effectivement, comme on le dit, c'est une unité qui va avoir besoin de vraiment de charger. Si on les charge, ils sont beaucoup moins létaux. Donc ça devient plus embêtant. Là, par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, c'est une unité qui est tout à fait autonome. Autant moi en City of Sigmar, j'ai besoin d'avoir un héros pour les faire bouger, etc. Autant là en Stormcast, il y a besoin de rien. Ils sont tout à fait autonomes vu qu'ils sont élites. Et du coup, on va pouvoir les jouer vraiment à part du reste de l'armée, là où le Stardrake a peut-être besoin de rester un peu plus proche
de la troisième unité qu'on va aborder, qui sont les long strikes, qui du coup bah, sont là pour se faire éventuellement TP par le relictor, vu qu'il est à la translocation, et du coup pouvoir tirer sur bah, toute la table. C'est difficile de gâcher quelque chose des long strikes. C'est ça. Parce que c'est soit ils vont te tirer dessus directement, soit il y a la translocation qui va leur permettre de tirer sur ce que t'as pas envie qu'ils tirent. Donc ils sont très létaux, ils ont gagné plus une attaque par rapport à leur BTV2. Super intéressant. C'est ouais. Avant, certes, ils pouvaient potentiellement tirer deux fois, etc. Mais là, rien que déjà une phase de tir, ils ont quand même déjà en touche et en blessure, c'est déjà très fort. En plus, il est assez malin, il joue 1940 points, donc il peut avoir un triomphe de. Il a mis relance des sauvegardes. Non, bon. Bloodthirsty, c'est relance des charges, non ? Relance des charges, pardon, relance des sauvegardes. Bah, je pense que c'est justement sang, pour oui. les fulminateurs. J'aimerais qu'il ait relance des sauvegardes. Parce que Stardrake plus fulminateur, il a envie de les envoyer le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Ça serait plus mais c'est vrai que, bon, après, rien n'empêche que quand tu vas avoir 12 tirs de Vanguard en 2 plus, 3 plus, Rennes moins 2, dégâts 2, sur tout ce que tu veux en face, en fait, chaque menace vraiment qui t'embête, tu les shoot, quoi. Et même juste leur tir de contre-charge, ils vont rester en 3-3. Ouais. C'est une valeur sûre avec eux, quoi. Derrière, après, ils ont une save à 4+. Certes, ils ont que 2 PV par tête, donc ils peuvent mourir assez vite. Mmh. Alors, je crois qu'ils sont en 3+, 2+, du coup, ils vont passer en 4+, 2+, pour le tir de contre-charge. Ah ouais, c'est pas du 2+, 3+. Non, je crois que c'est l'inverse, c'est du 3+, 2+. Mais bon, ça fera quand même... Donc, ils peuvent être en 2+, 2+, de manière générale, au tir. Tout à fait. Ouais. Donc, bref, voilà, ça reste une des meilleures unités de tir qu'ils disent. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que bon, il a un peu de tout, il joue ses libérateurs pour faire ses lignes, etc. Il a un peu de tout, il a pas énormément de figurines sur table, donc il a besoin de faire c'est beaucoup de dégâts. C'est le plus gros problème. Ouais. C'est ça, il a besoin de faire beaucoup de dégâts. Dès que s'il se loupe, imaginons que il a un battle régiment, donc il aura le choix du tour 1 aussi. Bah, il a tendance à vouloir le laisser, je pense. Hein. C'est ça, t'as tendance à vouloir le laisser. Parce que ses menaces, il va ne pas les mettre sur table, et tout ce qu'il doit pouvoir tirer, bah, ayant une grosse portée, pouvant se téléporter, il va pouvoir les laisser en fond de table. Donc je pense qu'il a tendance à vouloir laisser le T1. Maintenant, si jamais bah, il perd ce duel de une pause, il peut se retrouver à avoir le T1. Et là, par contre, s'il rate ses charges au T1, ça peut être très compliqué. Ouais. Moi, ce que je trouve très intelligent, on a tendance à le sous-estimer dans cette liste, c'est la présence de l'incantor, qui va être là pour dissiper le sort adverse qui va poser problème. Je pense à un pont, je pense à un Umbral Spell Portal, je pense à beaucoup de petites choses comme ça, qui bah, peuvent détruire un tour 1 adverse. Et où là, du coup, effectivement, il peut tout à fait être deuxième joueur, dissiper, enfin, mettre l'incantor très très loin devant, quitte à le sacrifier sur ce tour-là, mais au moins, il aura fait son job, il aura empêché un gros tour c'est adverse. De toute façon, l'incantor ne lui servira pas à grand-chose de plus, à part se mettre souvent devant pour être à portée de dispel. Non, c'est... Puis après, il a aussi des flasques, il paraît de faire des mortels, etc., au corps à corps, donc même si on décide de l'impacter... Bon, après, ça peut être tué par du piétinement, mais on sait jamais, quoi. Donc, on passe ensuite à la faction cachée des Skaven. Tiens, ça grignote, ça me pose... J'aime pas les rats. On les voit pas souvent. Non, bah, alors pour l'instant, en France, quoi, depuis des mois, il n'y a que Christophe qui les joue. Donc, bah, on voit juste Christophe qui a dépoussiéré ses figurines pour les ressortir et essayer de faire quelque chose avec. D'ailleurs, ces listes sont pas déconnantes. Il y a des blagues à faire. Moi, je suis tombé contre lui avec ma liste Sylvanette pour rigoler, machin. J'ai fait ce que j'ai pu. C'était rigolo, trop rigolé. Et en finale, sa liste est bien réfléchie parce que. Comme il nous l'a gentiment expliqué, il y a 13 figurines de tir, dont réparties en 3 unités, avec plein de petits rats de clan, bon, qui ne servent pas à grand chose, mais qui sont là pour prendre la table, ils font des tampons et servir de chair à canon pour 130 points pour derrière se manger notre tir de contre-charge. Et pour avoir déjà pris des tirs de contre-charge de Stormfiend ou même de Jezai, et j'ai pas encore eu Tankol, c'est pas déconnant. À Tankol, si encore t'as pas beaucoup de figurines, ça te fait moins mal. Ouais, mais même. Mais les Stormfiend, en courte portée, si en plus ils sont buffés, on va dire, via l'arc Warlock, ça peut commencer à pas déconner. Donc en fait, voilà, il a vraiment une létalité avec ça. Son petit Wargrinder lui permet de faire TP, enfin d'avoir un setup aussi. Donc il peut réfléchir en fonction de son placement, etc., d'avoir une unité à pouvoir
arriver en setup, des 4 rangs pour venir embêter une unité en face, l'empêcher d'avancer davantage, etc. Parce qu'il, puis mine de rien, il est en une pause, il joue donc en une pause. Il va beaucoup choisir. Franchement, la liste se réfléchit énormément. Mm-hmm. Je trouve ça très intéressant. Après, elle a beaucoup de létalité, mais en même temps, elle encaisse pas tant que ça. Parce qu'à part les Stormfiend... Même les Stormfiend, c'est une save à 4, il en a 6, et 6 points de vie chacun, plus les gros avec les points, là, 7. Qu'en gros, c'est, voilà, ça peut commencer à tomber, ça a une bravoure assez faible. Oui, ça c'est le vrai problème. Donc voilà, même Tankol qui est quand même un gros bourrin, il a quand même une save à 4, il peut tomber, il a pas énormément de points de vie, je crois, il a 13 ou 14 points de vie, je sais plus combien il a Tankol, mais c'est pas non plus un truc de fou. Maintenant la figurine tape et tire, donc c'est voilà, pas déconnant, son Arc Warlock quand même qui est son général, donc c'est vraiment lui qui permet de buffer quasiment tout le reste de l'armée. En plus un pour toucher, en augmentant les dégâts, toucher, etc. Avec ses fameux sorts mort, warp power. Bon, on sait toujours que les trois quarts du temps, après, il se tue lui-même. Les trois quarts du temps, les Skaven se tuent leurs héros eux-mêmes. Parce que dès qu'ils vont manger des malpires, après, là, ils lancent un dé et sur un 1, ils se font des 3 mortels. Et j'ai toujours vu des héros mourir comme ça. Oh, c'est rigolo. T'as eu de la chance parce que moi, ça n'a pas été le cas. Ah, moi, tous les joueurs, dédicace à Métine, il a souvent fait ça, c'est rigolo. Mais, et donc voilà, et sinon, donc, il a quand même. Donc les Jedi ont une portée de 30 pouces. C'est quand même pas déconnant. Ils ont plus 1 à la sauvegarde, je crois, contre les tiers. Plus 2 à la sauvegarde. C'est difficile de les tuer. Maintenant, pareil, ils ont une bravoure assez faible. Ils ont 2 points de vie par tête. Faut pas oublier que maintenant, avec le nouveau décor Skaven, ils peuvent se téléporter beaucoup plus facilement que c'était le cas avant. Avant, il fallait vraiment rester dans une bulle Willy Wizin. Maintenant, c'est juste Wizin. Il y a vraiment moyen de se téléporter très facilement. Etc. Bon, après, il peut les poser un peu partout, ces décors. Donc, ça, c'est sympa. Mmh. Et ensuite, les Stormfin, il a 2-2-2. En fait, c'est réparti. Donc, il y en a 2 qui tirent sans ligne de vue jusqu'à 24 pouces. 24 et c'est pouces. Du Rennes-3. Ça doit être ça. C'est du Rennes moins 3 pour D3 dommages. Non, pour D3 dommages, Rennes moins 3, c'est-à-dire 24 pouces en ligne de vue. Et après, ça touche pas énormément bien, mais grâce à ses buffs plus 1 reroll, c'est ça qui les rend forts. Ouais. Et ensuite, il en a 2, c'est des mitrailleuses, donc là, c'est de la statue. Et avec du Rennes moins 1, cours de portée, 12 pouces. Ouais, j'aurais dit 12. Et les autres, c'est des dégâts de cac. Donc ils sont là vraiment pour taper, c'est des dégâts de 2, etc. Et encaisser les PV. Du coup, en vrai, mine de rien, quand vous faites un duel de tir contre eux, le vrai problème, c'est que les 14 premiers PV, vous retirez pas de tir, en fait. C'est ça. C'est plus compliqué. Donc voilà, une allégeance qu'on voit peu souvent, parce qu'elle encaisse très mal les doubles tours, vu que, comme on avait dit, il y a bien un cordon, mais si jamais le cordon se fait défoncer, du coup, sur un double tour, c'est problématique. Et c'est là où, du coup, il a été malin, en fait, si tu veux, passer en une seule pause. Comme ça, au moins, il peut être sur le contrôle de cet effet. Moi, je trouve oui et non, parce que s'il se place bien, de manière générale, il va avoir ses rats de clan qui vont se faire impacter, il va lancer un premier tir de contre-charge, il lève ce qui a tapé l'écran. Si le mec a dû envoyer 2 ou 3 unités, après, il va avoir une deuxième unité qui va impacter les Stormfin, il va les laver au tir de contre-charge aussi. Après, il peut pas rester dans sa bulle tout du long s'il veut prendre les objets. Enfin bon, j'attends de voir. Moi, je trouve ça intelligent, le Warp Grinder, parce que ça lui permet de positionner correctement une des unités. L'inconvénient, c'est que du coup, il pourra pas la booster comme il veut. Je suis curieux de voir réellement laquelle il met en réserve. Peut-être même juste des clan rats pour aller occuper un objectif, juste faire une ligne plus éloignée, etc. Il peut y avoir des tonnes de possibilités pour se protéger d'un double tour adverse s'il prend le tour 1, etc., qui fait qu'il va impacter des trucs qui sont à 9 pouces. L'adversaire, après, il va réimpacter d'autres cornons. Et lui, pendant ce temps-là, il peut scorer. Non, sa liste a été réfléchie, elle n'est pas décollante. Et je pense qu'elle peut faire des blagues. En plus, il a pas énormément de points, donc il a des chances d'avoir son triomphe de plus 1 pour blesser. Exactement. Donc il va bien booster les Stormfist. Quand ils vont être en 3+ reroll de 3+. Et ajouter à cela le fait que comme c'est pas beaucoup joué, c'est pas beaucoup affronté. Il y a l'effet de surprise qui est important et savoir les gérer. Les gens ont oublié ce que faisait Skaven. C'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Non, surtout dans un tournoi comme ça où tout le monde se sera un peu focalisé sur les listes Zenge ou Iron Joe parce qu'elles sont surreprésentées et qu'elles sont très fortes actuellement. Sur un début de tournoi où on n'est pas encore éveillé parce qu'il est 9h du mat, on peut très vite se dire oh, lui, par contre, son seul bémol, c'est sa grande stratégie.
Warcry sort série. Facile, hein. Faut que l'Arc Warlock survive, quoi. D'un autre côté, Tankol tu voulais mettre quoi, les lignes, ça aurait pas été mieux. Tankol est un sorcier. Ouais, ouais. Les lignes, ça aurait été compliqué. Les lignes, non, on les rate. Et au final, prendre un monstre, bah, en vrai, ça lui donne plus de possibilités de mettre sorcier. Ouais, j'avoue, après sorcier. En fait, c'est difficile de les mettre, mais... Je suis d'accord, je réfléchissais avec toi si c'était une bonne stratégie ou pas, et en fait, je vois pas de meilleure stratégie à lui mettre. C'est surtout qu'il y a pas beaucoup de choses. Peut-être que l'une des meilleures aurait été d'avoir peut-être plus d'unités que l'adversaire à la fin de la partie. Oh, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont sauter quand même. Hein. Bah, en fait, il a une liste qui est très létale. Soit il a table rasé l'adversaire, soit il a perdu. En fait, il y a de fortes chances que ce soit tant ça. Tant qu'il a joué sur une liste un peu surprise, je serais peut-être parti sur celui la grande stratégie qui permet de contrôler les terrains. Exactement. Ouais, aussi. Ouais, ça peut parce que personne n'y pense à celle-là. Ouais. On n'y pense pas et le mec va le laisser. Dédicace à Titi pour ça. Il aime bien la jouer, celle-là. Bah franchement, moi je la trouve vachement intelligente. Même si tu n'oublies pas, t'as envie de faire autre chose. Oui, c'est dur à gérer quand même. Bah, c'est surtout, tu te dis, ouais, j'ai un objectif, j'ai un décor, je vais faire l'objectif. Non, on n'a rien à gagner à aller chercher le décor. Et puis tous les décors chez toi, tu peux très vite les prendre. Et l'adversaire, c'est ça. Donc en fait, c'est vraiment pas déconnant. C'est pas déconnant du tout. Maintenant, voilà, je pense que Christophe nous montrera qu'il a bien fait de sortir ses Skaven et qu'il a tenu le pari de les jouer. Merci les gars, on se retrouve juste à la conclusion. En attendant, vous pouvez piller mon frigo. Voilà, on se retrouve tous les deux, Sarantai, pour parler de la des listes Death, de ton côté. Donc c'est ce que tu vas te concentrer sur ces listes-là. On va commencer par les Nighthaunts, qui me semble étonnant. Enfin, ça me surprend de les voir ici à ce niveau-là de jeu. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi Ça se comprend. Moi, en fait, je la trouve logique. Déjà parce que Lod maîtrise très très bien les armées Death, en particulier la Nighthaunt. C'est pas la première fois qu'il nous la sort. On a quand même, pour moi, une armée qui s'adapte très bien à cette V3, dans le sens où, justement, je suis d'accord qu'ils vont pas avoir le bonus de plus 1 sauvegarde, vu qu'ils sont éthérés, mais comme tout le monde se met à sortir de la reine-2, reine-3 pour les Iron Joe, il y a un moment où annuler ça, c'est très fort. Et du coup, en fait, c'est plus de la contre méta que réellement de la méta en elle-même, et c'est vrai qu'on se retrouve avec une armée qui a énormément d'unités, qui a de la prise de table, beaucoup de mouvements, parce que là, comme il est en Reckoner's Commandment, il va avoir plus 6 de mouvement sur une de ses unités, donc quand on a déjà un mouvement de 8, ça commence à faire beaucoup. Il peut arriver sur la table à peu près n'importe où avec la moitié de son armée, il peut téléporter une unité avec son général, enfin ça fait énormément de mouvements, de prise de table sur des unités qui vont également gagner du reroll, là où toutes les autres armées l'ont perdu. Avant, on avait beaucoup de reroll néant, beaucoup de reroll des sauvegardes, beaucoup de reroll de blessures qu'on pouvait trouver chez Daughter of Cain ou ailleurs. Et là, maintenant, il n'y a plus du tout de reroll. Donc, les fiabilisateurs n'existant plus et eux en ayant, au final, l'armée tire son épingle du jeu, je trouve. Du coup, je la trouve logique en bon contre-méta. Est-ce que ça fera vraiment le petit plus qui lui manque pour réussir à aller jusqu'en haut du podium? J'ai un peu peur, parce que affronter beaucoup de gros, il y a un moment où ça peut craquer, parce que ça reste une 4+, et voilà. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec cette allégeance. Ouais. Donc pour aller encore dans l'idée, c'est que c'est surprenant, parce que à niveau de jeu moyen, il a très vite été dit que les Nighthaunt étaient vraiment dans le bas du tableau, avec un peu les gobelins. Il semble que les gobelins, ça se confirme par contre. Ah oui, ça par contre, oui. On va pas faire mal aux joueurs gobelins. Désolé, c'est peut-être un nouveau up, on attend les choses. Oui, ça va arriver quand même. Donc c'est pour ça qu'on les voyait très peu. Pour avoir joué contre des Nighthaunt, c'est vrai que, à niveau moyen, c'est vrai que c'était assez facile contre eux. Mais dans un autre sens, on voit la possibilité de beaucoup de tricks, de beaucoup de choses. Donc est-ce que est-ce qu'un joueur moyen, effectivement, aura du mal, ou un débutant, aura du mal à gérer ce type d'armée? En fait, je pense que l'armée en elle-même est tricky. C'est-à-dire qu'en vrai, elle va avoir autant de mal contre une liste très dure que contre une liste plus débutante. Ouais. Parce que justement, au final, ses forces et ses faiblesses sont les mêmes. C'est-à-dire que contre une armée un peu plus débutante qui va peut-être pas miser sur énormément de rend, là, on voit que ça. Entre Archaon, les Iron Joe, etc., on voit que beaucoup de rend. Elle sort son épingle du jeu. Maintenant, si elle joue contre quelqu'un qui est un peu plus débutant, genre effectivement contre une Gloomspeed Geats ou contre quelque chose qui n'a pas beaucoup de rend, finalement, elle perd ses bonus à elle. Donc là, c'est vraiment une adaptation par rapport à cette méta-là. Et où du coup, elle va réussir à s'en sortir face aux grosses listes. Et là où aussi, il va vraiment pouvoir profiter, c'est que mine de rien, les gens connaissent peu l'allégeance.
Et donc forcément, ils ont un petit temps de retard par rapport aux possibilités. Il y a une petite découverte de « Ah mince, c'est vrai que tu pouvais faire ça, le zapper. » On connaît, là, je pense que tous les joueurs qui viennent à ce tournoi-là connaîtront par cœur ce que fait l'allégeance Zench. Je vais y arriver. l'allégeance Zench, l'allégeance Iron Joe, etc. Parce que c'est vraiment parmi les très connus qui l'ont croisé en tournoi, etc. Par contre, celle-là, ils ne l'ont pas beaucoup croisé. Oui, c'est vrai que c'est vraiment pour le coup très étonnant. Déjà pour moi c'est la preuve, là, petite parenthèse, on sort de la French Eagle Cup, mais voilà, c'est la preuve que vous n'avez pas besoin d'être de jouer du top méta, etc. Enfin, on joue pas la French Eagle Cup 99,9% du temps. Non. On peut se faire plaisir avec une armée qu'on aime bien. Moi j'adore les Nighthaunts. Moi aussi je me suis laissé aller dans le piège, ah bah non, ils sont pas ouf, je vais pas les jouer. Là, je vais peut-être les ressortir et essayer de m'amuser quand même avec, parce que voilà, on n'est pas au niveau top français tout le temps. L'Od, voilà. Il est au niveau top français. Hein. Oui, faut être honnête. Hein. Oui, donc, voilà, mais il est au niveau top français, mais on n'est pas obligé aussi de s'amuser en ayant son niveau. Voilà, on peut aller. Après, on va être honnête, la liste est ultra bien construite, avec les deux chaînes Rage Horde. Vraiment, il a de la prise de table, il a de quoi faire du dégât, et il a en plus de quoi faire des BM, ce qui est vraiment très très fort dans le jeu. Et même en dehors, que ce soit Nighthaunt ou quoi, on entend beaucoup que là, la méta, elle est principalement basée sur les monstres. La masse, ça marche pas forcément. Là, si on parle pas de masse avec 70 chaînes races, parce qu'ils sont 80. 80 2 fois 30 et 2 fois 10. Voilà, donc voilà. Quand tu vois tous les Zench qui doivent avoir 10 figurines sur table, voilà. Franchement, on n'est pas si mal. Donc, il y a de la masse, il y a du mouvement, il y a énormément de personnages, vraiment, il y a beaucoup de combinaisons. Et c'est là où je pense qu'on peut perdre beaucoup d'adversaires, c'est le côté, ok, alors en fait, il faut que je te tue ça, parce que c'est ça qui est fort contre telle unité. Et en fait, je pense que ce qu'il doit faire, c'est vraiment essayer d'envoyer les bonnes unités contre les bonnes cibles, là où les adversaires ne savent pas forcément qui doit aller vers qui. Et c'est peut-être là où il y a vraiment une méconnaissance de l'armée en face. Par contre, effectivement, la liste, elle est poncée. Elle est vraiment propre. Effectivement, si vous faites une liste un peu plus what the fuck, ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, à voir. Moi, franchement, j'en attends beaucoup. Je pense que ça peut faire des très bonnes surprises. Maintenant, est-ce que ça peut gagner systématiquement contre le top méta? Non, parce que c'est quand même beaucoup d'aléatoires sur les sauvegardes, sur les choses comme ça. Du coup, ça peut faire des surprises. Est-ce que ça peut gagner le tournoi? Un peu plus compliqué. Par contre, je pense qu'il fera un bon score. J'ai hâte de voir les résultats, en effet. Alors, on a vu les choix face à la méta qui pouvaient être intéressants. Est-ce que cette liste doit quand même faire attention à certaines listes en particulier? Est-ce qu'il y a des vrais counters violents contre ça? Là, pour l'instant, on n'a pas encore les Dracorages Stormcast qui sont sortis, donc il n'y a pas encore énormément de BM qui circulent. C'est clair qu'ils vont un peu plus souffrir face à tout ce qui va être magique, enfin, ce qui va faire de la blessure mortelle. Ça, c'est clair et net que ça va être très compliqué. Il se trouve que là, actuellement, dans la méta, il n'y en a pas tant que ça. Ça va. Étonnamment, la liste Kaven, elle va peut-être leur faire très très mal, parce qu'il y en a un petit peu. Mais sinon, effectivement, on est plus sur de la rend à l'heure actuelle que de la blessure mortelle. Évidemment, il n'a pas envie d'affronter les Luminatrim Lord. Parce que tous les dégâts qui vont être faits seront en blessure mortelle. Effectivement, lui, il ne va pas apprécier. D'accord. Mais sinon, en vrai, il fait beaucoup repop, etc. Finir une unité de 30, ce n'est pas évident. Ouais. Franchement, moi, je pense qu'il peut, faire des choses. Ça va dépendre un peu de ses jets de dés, parce qu'il faut réussir ses 5+, il faut réussir ses 4+. C'est comme je disais, sur un match-up, ça peut le faire. Sur 3 d'affilée, il y a un moment où ça peut craquer. Passons donc ensuite à une autre grosse allégeance assez présente. Enfin, il y a deux listes sur l'ensemble. C'est donc les Soul Blight Gravelord. Je prends l'accent. Que je ne pourrais pas traduire là pour le coup. Non, trop compliqué. Puis de toute façon, j'ai aucune idée de comment on verra comment Games nous traduira ça. On va commencer par la liste de Miladin. D'accord, un joueur un peu connu qui passe sur la chaîne. Voilà, vous l'avez déjà vu avec ses ossiards pour le coup, donc c'est un joueur qui connaît bien qui aime la death. Oui, ça c'est clair et net. Clairement, il veut prendre des objectifs. Là, c'est assez dit, parce qu'avec 140 zombies sur la table, c'est beaucoup plus que la plupart des... Je pense que c'est plus que 10 fois plus que la moyenne qu'on doit avoir sur les listes actuellement méta. Donc vraiment, il a de la populace à placer sur la table, et ça va être dur de les déloger sur les objectifs.
En plus, il se rajoute le petit Gorslav, The Gravekeeper, qui du coup va lui permettre de faire revenir la moitié d'une unité pour un PC à chaque fois. Ce son allégeance lui permet de le faire sur un 5+, un peu mieux s'il tue une unité. Mais du coup, bah, cela, c'est sûr de le faire à chaque fois. Donc vraiment, l'unité de 60 qui va revenir en mètre 30, les unités de 40 qui vont revenir en mètre 20, ah, ça génère. Ça génère beaucoup. Et c'est vraiment pas si évident que ça de contrer cette masse-là sur la prise d'objectif. Donc lui, il aimerait vraiment que ce soit des scénarios avec beaucoup d'objectifs, si possible éloignés, parce qu'il a du mouvement pour ça. Vous laissez pas surprendre, parce que vraiment, les zombies, on a l'impression que ça va pas très loin, sauf qu'en fait, si vous payez le bon 6 pour courir, en fait, il peut tout à fait peel-in, sans... Enfin, c'est vrai que la course vous empêche de charger, mais ne vous empêche pas de peel-in. Donc s'il fait son meilleur 6 pour courir, au final, comme il va peel-in de 6, c'est comme s'il avait fait une charge à 12 en déplaçant normalement. Est-ce que tu vois c'est fin. Non, oui, bah oui, en fait, au final, plutôt que d'avancer et de tenter une charge à 12, bah, courez de 6 et piline de 6, et du coup, vous y êtes. Mm-hmm. Vous êtes complètement dans ces 12 pas de charge, entre guillemets. C'est le genre de truc qu'on peut oublier facilement, mais oui, c'est vrai que le piline est... Oui, d'accord. Et avec le Necromancer, il va pouvoir les faire piline une unité deux fois, donc s'il prévoit son coup, il peut vraiment venir vous prendre un objectif qui était chez vous, sans... alors que vous étiez parti sur des habitudes de « Attendez, la moyenne d'une charge, c'est 7, donc du coup, je me mets un petit peu plus loin, on va dire 9, ça lui fait une charge à 9, c'est compliqué. » Pas on du est tout vite, compliqué est pour lui. Quoi. Vite battu, oui. Donc il faut un petit peu prévoir tout ça. Avec le Vampire Lord, il peut leur augmenter leur nombre d'attaques. Ce qui fait que comme eux, ils sont là juste pour mettre des BM en faisant beaucoup de saturation, bah du coup là ils doublent. Parce qu'en fait, ils leur donnent une attaque de plus, donc ça leur double leurs attaques, ça fait le double de BM en plus. Ça commence à chiffrer, ouais. Sachant qu'ils reviennent maintenant, plus il y a les Rata, donc du coup, on est sûr que quand ils font une BM, s'ils tuent quelqu'un sur 2+, ils peuvent le régénérer, alors qu'avant c'était un petit peu plus flou cette règle-là. Là maintenant, c'est sûr et certain que même avec les BM, ils récupèrent quelqu'un, et ils peuvent dépasser le nombre de figurines de l'unité. Ah, c'est-à-dire que même s'ils sont à 60, si jamais ils vous tuent des figurines, tac, 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 on peut en rajouter au-delà de... Oui, c'est assez unique comme... Oui, ça surprend. Ouais, c'est beau. Mais alors, du coup, tu vois, là, moi je vois que donc, sa grande stratégie, c'est hold the line, enfin tenir la ligne, donc c'est l'idée d'avoir une unité de ligne encore vivante à la fin de la bataille. Donc je suppose qu'il compte sauvegarder ces grosses masses-là. Bah, pas que, le Blood Knight est très dur à aller prendre. Ah ouais, ouais. Seulement 5, c'est... Bah, en fait, c'est vrai que ça va pas faire beaucoup de dégâts, puisqu'il y a que du Ren moins 1, etc. Donc franchement, c'est pas... Ça fait un petit peu de dégâts, hein. Si vous laissez un sorcier esselé ou quelqu'un d'un peu faible, ils peuvent vous les tomber. Hein. Mais effectivement, ça va pas être là pour rentrer vraiment dans le dur. Par contre, c'est insaisissable, dans le sens où, en fait, à chaque phase de mouvement pour eux, ils vont pouvoir dire que ils vont faire un mouvement sans que ce soit une retreat. Et donc, du coup, ils vont pouvoir continuer à charger quelque chose d'autre derrière. Ah oui, d'accord. Bon, sachant qu'ils vont vous faire des BM autour à toutes les unités qu'ils ont traversées, ça fait quand même bien mal. Mais c'est surtout que ça va lui permettre d'aller chercher des objectifs un petit peu loin, là où les zombies, effectivement, vont avancer. Bon, on a dit qu'ils pouvaient avancer un petit peu loin, mais ça reste quand même manageable, hein. Ça avance que de 4, c'est pas non plus monumental. Mais voilà, je pense que ça va vraiment être ça, sa stratégie. Ça va être les Blood Knights insaisissables à aller peut-être sur les côtés pour revenir chercher au centre les petits héros isolés et les objectifs avec quelques figurines dessus. Et du coup, je pense qu'il peut vraiment sortir son épingle du jeu. Et là où c'est très malin, je trouve, de sa part, c'est d'avoir mis le Vampire Lord sur Zombie. Enfin, sur un dragon, pardon. Oui. Sur un zombie dragon. Je vois bien sur les petits zombies. Les petits zombies, ça serait moins bien. En fait, ça lui permet peut-être d'aller chercher une unité à tuer par tour. Alors, une petite unité de chien du chaos ou un truc comme ça, là, c'est sûr, il va le détruire. Et du coup, ça lui augmente le jet de dés pour essayer de faire revenir du zombie. Parce que normalement, il les fait revenir sur un 5+. Dès qu'il a tué une unité dans ce tour-là, ça se fait sur 4+, et ainsi de suite s'il en a tué d'autres. Donc s'il se débrouille bien, il peut envoyer les bonnes cibles contre les bonnes choses et faire revenir une unité sur un petit 3+, ou autre, et ça peut vraiment aller très vite, très très vite. D'accord. Voilà. Il a pris effectivement le bon triomphe, parce que ce qui va être difficile, c'est qu'il a des petits persos qui avancent lentement quand même, et son dragon qui lui va avancer plein de balles, hein, c'est un peu quand même l'idée. Du coup, c'est pas si évident que ça de garder ces bulles d'immunité pour pouvoir donner la petite immunité Battle Shock sur des zombies. Beaucoup de gens auraient pris Nagash pour effectivement donner
l'immunité sur toute la table. Là, il a préféré faire des économies pour mettre beaucoup plus de choses. Et donc, du coup, bah, il a besoin de, je pense, ce triomphe-là. Il est à 1970. On a vu que énormément de joueurs avaient misé sur le fait de diminuer leur coût en points. Donc, au final, il n'est plus si bien que ça là, dans, ouais. dans le tournoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés à moins de 50. J'ai vu ça, moi, j'ai halluciné. Ouais, mais j'ai observé ça. Mais je l'ai subi aussi récemment. Salut Morgoth. Ouais, c'est une vraie stratégie maintenant, en fait. Quoi, parce que les gens se disent, OK, je vais prendre ces points-là pour avoir mon triomphe. Mais en fait, il y a aussi tout le concept de retirer le triomphe à l'adversaire. Mmh. Il n'y a pas tant que le gagner, il y a vraiment aussi l'empêcher. Oui, double... Et franchement, bah, il y a des listes qui misent tellement dessus que j'ai vu qu'ils sont tombés jusqu'à 1935. Oui, on peut rajouter une unité ou un endless spell très facilement. Oui, facilement oui. Donc c'est un vrai choix de leur part d'être sûr de bloquer le triomphe adverse et d'en faire un lui-même. Et là, je pense qu'il en a besoin. Est-ce qu'il est allé assez loin pour le chercher? Et c'est un peu limite là, en tout cas pour ce tournoi-là. Hein. Bon, peut-être sur certains qui ont peut-être pas misé sur le triomphe. Bah, quoi, mais... Juste avant, vous voyez voilà, Claude, il y a effectivement qui était à 1990, où effectivement là, je pense qu'il a très peu de chances d'avoir son triomphe. Mais voilà. Je la trouve très intéressante comme liste, réfléchie. Il dit qu'il la traîne depuis un petit moment. Malheureusement, il n'a pas pu faire beaucoup de FSC. Donc, il n'a pas pu la tester en conditions réelles. Donc, ça va être vraiment son épreuve du feu. Mm-hmm. Et bonne chance à toi, Mila. Bonne chance à toi, en effet. On peut donc passer à la deuxième liste sous Blight. Parce qu'elle est. Alors, on se permet d'aborder une autre liste parce que. Elles ont quand même une certaine différence. Enfin, la construction est bien différente. Ah, on est plus sur une liste White Dwarf. Désolé Guillaume. je te connais. Ça, je pense que c'est pas une critique pour toi. Je la trouve moins réfléchie dans le côté top méta, mais plus réfléchie dans le côté liste en elle-même. C'est-à-dire que du coup, après tu me diras en live parce que du coup on se retrouvera là-bas si c'était vraiment le but, mais j'ai vraiment l'impression que tu as réfléchi chaque unité pour un rôle précis et du coup chacune de tes unités va avoir une cible adverse et il faut espérer que du coup ton adversaire te laisse dérouler ton plan de jeu parce que si jamais tu as la mauvaise unité contre la mauvaise cible, ça peut très très vite craquer. Parce que là, entre les squelettons qui vont pouvoir revenir à chaque phase, à chaque fois qu'ils tapent, et du coup, le Necromancer est là pour essayer de les faire revenir vraiment beaucoup. Les zombies qui vont être là pour vraiment prendre de la masse, mais qui peuvent aussi profiter du Necromancer. Les Deerwolves qui sont là pour protéger Belladama et avancer énormément, faire de très bons cordons, qui peut-être, effectivement, si vous coordonnez des loups devant des zombies, bah, du coup, vous pouvez faire en sorte que l'adversaire ne peut taper que les loups. Il peut même pas vous taper derrière si jamais il envoie plusieurs unités. Par contre, le zombie avec son pilier de 6, lui, va pouvoir venir taper. Il y a vraiment beaucoup de petites synergies que je trouve très très intéressantes. Et le Graveguard qui est là pour un petit peu taper dans le gras. Exactement. Et c'est... Bah, du coup, avec les 2x10 loups, ça fait vraiment des très très bons cordons pour se cacher derrière. Je pense qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire. J'ai juste peur du mouvement. J'ai vraiment peur de ton mouvement pour aller chercher, effectivement, dire « Ok, cette unité-là, elle est faite pour affronter ça, cette unité-là, elle est faite pour affronter ça. » Quand en face, on voit du Archaon qui se déplace très très vite, qui a son mouvement, parce qu'ils sont tous en Ostarcanum, sauf un, dédicace à Franck. Du coup, ils vont tous faire un mouvement pré-game de 6 pas. C'est pas évident pour toi de choisir réellement quelle unité va affronter quoi. Par contre, il nous a mis le petit Manfred, qui a sa petite particularité, c'est que s'il est engagé au combat, en début de phase de combat, du coup, il va pouvoir décider s'il se téléporte ou pas. Et s'il se téléporte, il va pouvoir être placé n'importe où à 9 pas de l'adversaire. Et bah, pour aller récupérer un objectif un peu loin, parce que mine de rien, c'est un monstre. Mmh. Donc il vaut pour 5. C'est très facile pour lui d'essayer de récupérer un objectif où on se serait un peu mal placé. Donc faites attention, restez autour des 3 pouces de l'objectif, parce que si vous êtes à 3 pouces du centre de l'objectif, forcément l'adversaire ne peut pas se poser à 9 pouces. Alors, en étant à 9 pouces de vous, ne peut plus se poser à 6 pouces de l'objectif. Mmh. Donc voilà, faites bien attention à ça. Mais sinon, en vrai, moi je trouve qu'elle est... Elle est vraiment réfléchie. Elle a un côté un peu White Dwarf parce que tu sors un petit peu de tout. Mais si réellement les bonnes choses impactent les bonnes cibles, je pense que tu peux faire des gros dégâts. Et surtout, essayer de brain un petit peu... Enfin, essayer de... J'allais dire mind game aussi, j'essaye de repasser en français. Mind game, c'est... Oui, brain. C'est dur, là. Là, c'est dur. Mind game, si vous avez la traduction,
C'est pas un jeu d'esprit, mais non. C'est manipuler. C'est manipuler. S'il arrive à bien orienter l'adversaire, je pense que ça peut vraiment, vraiment le faire. Et il y a énormément de possibilités. Je trouve ça très malin aussi d'avoir pris l'amélioration des sorts, où du coup il a beaucoup plus de choix dans ses sorts, où du coup il va pouvoir justement diminuer l'impact de certaines unités adverses pour augmenter les capacités des siennes. J'ai vraiment juste un petit peu peur que contre le très gros top métal, là par contre, ce soit ni assez populeux, ni assez de dégâts pour pouvoir sortir son épingle du jeu, contrairement à Mila qui lui a vraiment essayé de, sur la même allégeance, partir sur une seule orientation de liste, le populeux, où effectivement il va faire moins de dégâts, mais où du coup il a décidé d'opter pour ça et il a une seule stratégie. Là où Guillaume, là, Nightbring, va devoir faire des choix, parce que chaque unité a son rôle, et où du coup c'est pas aussi simple dans l'utilisation de la liste. Donc vraiment bon courage à toi pour la jouer, et ouais, j'espère que le début de au moins les premières parties iront dans ton sens, parce que c'est une liste qui est très difficile à manipuler, je pense. Donc on passe donc aux Ossiarchs, Bone Reapers. Et du coup on passe sur la liste de Fimbur, qui a une liste qu'on pourrait dire un peu simple, et en fait je la trouve pas simple du tout. En fait c'est vrai qu'elle a l'air simple dans le sens où c'est 40 Mortec, Nagash Arcane, voilà, la liste est dite. Mais dans les faits, l'aborder et la jouer n'est pas facile du tout. Déjà il joue en Ossiarch Bone Reaper, donc immunité Battle Shock. Nagash va de toute façon utiliser sa capacité, donc il sera en immunité Battle Shock sur toute la table. Donc déjà, faites une croix sur le fait de lui faire des pertes à la déroute. Ensuite, avec ses 40 Mortec, comme il est en Petriflex Elite, il se retrouve quand même avec une unité qui diminue votre reine de 1 et qui va avoir une 4+ reroll, voire 3+ reroll s'il a lancé le bouclier mystique sur cette unité-là. C'est une unité extrêmement tanky, enfin qui encaisse extrêmement bien. C'est vraiment compliqué, on a l'habitude de jouer avec de la reine moins 2, voire reine moins 3 pour les Iron Joe, et bah c'est pas évident, en fait, l'utilisation de la reine moins 3 Iron Joe, elle demande vraiment de savoir à quelle phase, enfin à quel tour vous allez l'utiliser. Et là, bah en fait, vous vous retrouvez à vouloir tuer Nagash, donc du coup, bah, pour démonter le bonhomme, il vous faudra cette reine moins 3. Sauf que pour pouvoir accéder à Nagash, il vous faudra passer son petit cordon de Mortec. Et dans ce cas-là, bah, vous le passez pas si vous n'utilisez pas votre reine moins 3. Donc il y a vraiment des choix à faire. Et pour les gens comme moi en Cities of Sigmar qui n'avons que du reine moins 2, bah, diminuer la reine de 1. On se retrouve face à une unité qui, sans boost, sans rien, se retrouve à une 5+ reroll, ce qui est officiellement un petit peu mieux qu'une 4+, faites vos stats, instant calculette. Et en fait, bah, j'ai du mal à les tomber, moi. J'ai vraiment beaucoup de mal. Alors là, si on peut parler de tanky, c'est tanky, l'ensemble. Hein. Bah ça, parce qu'après, il va avoir son invulnérable par-dessus, etc. Donc, et accessoirement, Nagash et Arcane font repop 3 figurines à chacun de leurs débuts de phase des héros. Donc du coup, ça fait 6 unités dans chacune des unités. Enfin, 6 figurines dans chacune des unités, il faut finir les unités. Vous pouvez pas, en tout cas, le pack de 20, je pense qu'il va être très très long à tomber. Les packs de 10, si vous avez les ressources pour, faites-le, mais si jamais vous faites l'erreur d'en laisser un en vie, il revient à 7. Un petit sort par-dessus, ils reviennent complet. C'est très très compliqué, hein, très sincèrement. Là, donc du coup, venir occuper les objectifs, ça, il va pouvoir. Il a, en plus, ça tape quand même assez fort le Mortec, donc effectivement, contre les trucs un peu populeux, comme du zombie ou autre, bah justement, là, il va pouvoir faire quelque chose. Bon, le zombie est peut-être un peu cas à part parce qu'il va lui faire des BM, mais ça reste de l'aléatoire, faut faire des 6. Là où, à côté, on va avoir Nagash et Arcane, qui tous les deux vont être basés sur beaucoup de lancements de sorts, beaucoup de BM. Les deux, en fait, peuvent lancer très magique autant de fois qu'ils le veulent, donc, Nagash, lui, va le lancer généralement 6 fois. Arcane, du coup, 2 ou 3. C'est vraiment violent une fois qu'il se retrouve au corps à corps avec vous, parce que du coup, il va vraiment vous faire des D3 blessures mortelles au lieu de une. Là où, en fait, c'est vachement malin, moi, je trouve, dans sa liste, c'est qu'il a l'Umbral Spell Portal pour pouvoir tenter effectivement des moines de poussière sur une grosse figurine. Alors, sur deux. L'Umbral Spell Portal, c'est les deux portails qui permettent d'envoyer ses sorts plus loin, c'est ça? C'est ça. Ce qui, couplé avec Arcane, vous permet de placer l'Umbral Spell Portal à 18 pas de l'un de l'autre. Donc déjà, vous augmentez la portée de la main de poussière de 3 pas à 18 plus 3, donc 22. 21, parce qu'on s'est compté. Oui, voilà. Et vous pouvez même augmenter la portée avec Arcane de plus 6. Donc vous pouvez vraiment aller chercher des choses encore un petit peu plus loin. Super main de poussière. C'est ça. Maintenant, après, ça reste très aléatoire. Une chance sur deux, parce que ce qui se passe, c'est qu'il met un dé dans une main,
à vous de deviner dans quelle main se trouve le dé. Si vous trouvez pas le dé, votre figurine meurt. Donc du coup, vous avez ça. En même temps, je pense pas que ce soit forcément un trick sur lequel il repose entièrement. C'est vrai que ça peut tuer une Mokrocha, ça peut tuer un Kairos, ça peut tuer beaucoup de choses très intéressantes, mais c'est pas forcément ce qui est très fort chez Nagash. Nagash, vraiment, le vrai point important, ce qu'il va très certainement utiliser, je pense, vu qu'il a pris les Burning Head, ça va être de se lancer un sort qui lui donne une 5 plus 1 vue. Vous me direz qu'il en a une bien meilleure, donc c'est pas un problème. Ça se met step. Exactement. Que s'il subit des dégâts, il va pouvoir se téléporter à 9 pas de l'ennemi n'importe où sur la table. Il lance ce sort-là. Il se charge avec toutes ses petites raies magiques. Il lance les Burning Head. Il se touche lui-même. Il se fait du dégât. Il se téléporte. Et là, on se retrouve maintenant en phase de mouvement. Il a le droit de se déplacer. Il se rapproche de vous. Et du coup, il vous fait pas une charge à 6. Enfin, une charge à 9. Il vous fait une charge à 3. Il tape quand même pas trop mal, oui, le bonhomme. Quand même. Et il va vous décharger tous ses traits magiques sur cette unité-là. Il monte quoi facilement à... Au moins s'il peut en avoir 6 fois 6, bah, s'il lance, enfin, s'il lance tout sur lui, ouais. Si c'est quelqu'un d'autre qui lance la Burning Head, du coup il est quand même encore avec ses 8 sorts. Il lance normalement quand même soit sur lui-même soit sur une de ses unités le bouclier mystique, parce que c'est quand même super important dans cette armée. Normalement effectivement il s'en lance 6, après sous couvert de pas faire de fiasco, sous couvert de beaucoup de choses, mais voilà, mais ça peut, ça fait très mal très vite, après c'est un classique de Nagash. Si il est full chargé, ça fait 6 en stats, ça vous fait 12 blessures mortelles dans l'unité en plus des patates de forain qu'il va vous faire. C'est difficile, ça picote. C'est ça, maintenant ça l'oblige à s'éloigner du reste de l'armée, ça devient une menace n'importe où sur la table, mais qui va se retrouver isolé. Ça peut être compliqué quand même pour lui pour gérer après. À vous de faire attention à ça. Très bien. Laissons la place. On va donner la parole à Titi pour les listes qu'il aura sélectionnées. Et puis on se revoit juste après pour la conclusion. Bah, pas de souci. Bon courage à toi, Titi, pour l'analyse et pour le tournoi. Et donc on se retrouve pour la suite de l'analyse des listes. Un nouvel intervenant est avec nous. C'est en fait la personne de Titi. Salut à tous, bonsoir à tous. Ravi d'être là, merci pour l'invitation, Franck. Merci d'être là, c'est surtout à toi, c'est à moi de te remercier. Est-ce que déjà tu peux te présenter un peu à notre public, parce que peut-être tout le monde ne te connaît pas encore. Ouais. Après. Ouais, il y a un petit jeu de mots avec un de mes pseudos. Du coup, bonsoir à tous. Moi, c'est Thibaut, j'ai 30 ans, je pratique le wargame depuis un peu plus de 15 ans. Et j'ai fait beaucoup de compétitions à Warhammer Battle, je continue à en faire un 9e âge, et j'ai commencé Age of Sigmar il y a un an et demi avec mes deux meilleurs amis, et j'ai starté directement par la compétition, et du coup je suis présent à la finale de cette FSC, donc on aura le plaisir de voir ma liste, et j'ai participé à 3 FSC pour me qualifier là, pour lesquels j'ai fait des résultats plutôt pas mauvais. Donc voilà, c'est un jeu qui me passionne depuis quelques mois, sur lequel je mets beaucoup de temps. Voilà pourquoi je vais essayer de vous donner une analyse un peu sympa ce soir. Eh bien, très bien. Au programme, du coup, pour la suite, c'est ce qui reste, ce qui n'a pas encore été analysé. Donc pour toi, on va se concentrer donc sur les factions de l'ordre et du chaos. Donc, en partie, puisqu'on en a déjà fait. Donc ça sera, dans l'ordre, ça sera les Caradrons, les Luminettes... tu les Séraphons, bien sûr, puisque c'est donc une de tes listes. Et côté chaos, Légion of the First Prince, la Légion du Premier Prince, et Zench. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc, c'est des agences que j'ai toutes soit jouées, soit que j'affronte énormément. Donc, beaucoup de choses à dire. Bien, bien, bien. Bah, écoute, commençons tout de suite. On va attaquer avec donc les Caradrons dans l'ordre. Ouais, avec les Caradrons. Vince pour le premier. Vince qui fait partie de mon équipe. Carcousse de son pseudo. Donc il nous joue. Alors ça fait plaisir parce que la V3 a fait apparaître de nouvelles sous-allégeances pour les Caradrons. Et là on retrouve Barak Mornar qui est un spatioport qui est hyper sympa parce que c'est le spatioport des pirates en fait chez les Caradrons. Donc c'est un peu ceux qui ont le moins d'honneur entre guillemets, ou en tout cas un honneur particulier dans le style des Caradrons. Barak Mornar qui a des aptitudes qui sont très adaptées à la métagame d'aujourd'hui. Pourquoi ? Tout simplement grâce à majoritairement un objet magique qui est fourni, qu'on voit qui est sur le navigateur.
Navigator qui est déjà une pièce hyper importante en V3, puisque tout simplement il a une capacité à pouvoir couper et à diviser par deux le mouvement d'une figurine qui a le vol. Bon, vous le verrez dans l'analyse des listes, on a beaucoup de figurines qui ont le vol qui sont très puissantes. Pyros, Archaon, Bel Accord, etc. C'est des figurines, le Mokrocha, c'est des figurines dont on va parler ce soir qui sont hyper puissantes, qui ont le vol. Et bah lui, il a l'aptitude de dire bah toi, tu vas diviser par deux ton mouvement. Ça, c'est son premier effet au Navigator. Donc, c'est déjà une des forces des Cardrons de manière générale, c'est ce personnage-là. Et l'objet qu'il porte, qui est le Gelfor's Tale, qui est l'objet qui a fait la renommée Mornar de manière générale, qui est un objet qui dit qu'à la phase de charge, on désigne une unité qui est dans une distance de charge à 12 pas, et on va diviser par deux sa distance de charge. Donc, pour tous ceux qui jouent un Prince Démon de Kant, ça peut paraître très faible, parce que du coup, lui, c'est que 12 pas et c'est une seule unité. Mais pour un Cardron, c'est extrêmement puissant comme effet. Pourquoi? Parce que le Cardron n'est pas une armée de corps à corps. Et c'est une armée qui est très forte sur du mono-cible. Il est très mauvais pour faire de multiples dommages. Donc, en fait, son but, ça va être de tuer une unité et empêcher l'autre de l'attaquer. Donc, ça, c'est vraiment une des tactiques qu'il faut retenir de cette liste-là. Le reste, il y a beaucoup de choses qui sont assez classiques pour du Caradron. Il a choisi de partir sur un triple bateau avec deux petits et un gros, mais ça, c'est quelque chose d'assez classique. Ce qu'on va retenir surtout, c'est le côté d'avoir rentré Gotrek. Gotrek, c'est un allié. Pourquoi est-ce qu'il est excellent en Caradron? Alors, en fait, tout simplement parce que le Caradron fait de manière générale aucun corps à corps. Il n'y a quasiment aucune unité qui est capable d'en faire. Il est très mauvais en ça. Et du coup, en fait, il comble sa faiblesse par un des meilleurs combattants du jeu, tout simplement. Et Gotrek a une faiblesse énorme, c'est-à-dire qu'il n'est pas mobile. Bah, ça tombe bien, on le met avec une des armées les plus mobiles du jeu, qui est le Caradron, qui permet de se téléporter sur toute la table. Et donc, en fait, les deux s'allient très bien, parce qu'en fait, Gotrek va permettre de sécuriser des points, alors que le Caradron est très mauvais là-dedans. Il est très mauvais pour couvrir toute une partie, donc avec ses objectifs, ça tombe bien, c'est les scénarios où le Caradron est le meilleur. Et en plus, le peu de choses que ne va pas réussir à gérer Gotrek, et bah c'est souvent les monstres qui vont très vite, donc ceux qui volent, bah ça tombe bien, on a un navigateur qui les neutralise, et les autres menaces qu'il pourra avoir, bah ça tombe bien, le Cardon peut se protéger avec une divise des charges par deux. Donc on va dire que c'est très bien construit dans le méta d'aujourd'hui, c'est très spécialisé. Le Cardon, on en a parlé juste avant la vidéo, c'est une armée qui est très peu jouée dans le haut milieu compétitif, il y a très peu de joueurs Cardon en tournoi, c'est une armée qui est très peu connue, Barak Mornar encore moins, parce que pendant depuis le bouquin Caradron, personne n'a affronté de Barak Mornar de manière générale. Donc c'est un style de jeu qui est particulier. Ils ont d'autres aptitudes, mais on ne reviendra pas ici parce qu'elles sont pas, elles sont pas particulièrement intéressantes pour l'analyse. Mais il y a plein de petits trucs à faire, un peu de piraterie, notamment de redéployer des vaisseaux, de courir et tirer, de faire des choses comme ça. Ils sont plein d'armes, en plus de ce que peut avoir le Caradron dans son jeu, qui est extrêmement riche, pour pouvoir s'en sortir dans le méta. Donc une liste hyper intéressante et très variée. Écoute, est-ce qu'on passe à la seconde? Ouais, on peut passer à la seconde, la liste de Vindic. Donc Vindic qui nous ramène dans le spatioport le plus connu des Caradrons. Pour tous ceux qui ont joué contre des Caradrons normalement durant la dernière version ou récemment, vous avez forcément joué contre Barak Zilphin. Barak Zilphin qui est, on va dire, un style de jeu très particulier, qui s'est démocratisé, qui est tout simplement un style de jeu très agressif. C'est-à-dire qu'en fait, on a un énorme tour 1 en Barak Zilphin. Pourquoi? Parce qu'on a une des meilleures projections du jeu. C'est-à-dire qu'on va amener ces unités de tir les plus létales à portée de tir de manière très agressive, avec également les ballons, qu'on voit dans cette liste-là où il y en a quand même 9, qui sont des très bonnes unités de corps à corps et de tir à courte portée. Et là, on voit qu'il a pris le choix, lui, d'être extrêmement létal, encore plus avec le double Ironclad. Le double Ironclad, ouais, du coup, il a deux fois le vaisseau le plus radical en Caradron. Et donc bah, c'est tout simplement une armée qui va avoir une énorme, ce qu'on appelle une alpha strike, c'est-à-dire qu'elle va aller faire extrêmement mal au tour 1. Donc elle est très dépendante des match-ups sur lesquels elle va tomber. Il y a des armées qui sont très sensibles à ce type de liste-là. On peut penser notamment aux Luminettes qui sont assez fragiles. On peut penser aux Cruel Boys aussi qui peuvent avoir du mal à empêcher des alpha strike parce qu'ils ont peu de points de vie, une mauvaise brèverie, etc. C'est qui peuvent souffrir. On voit qu'ils jouent le double Navigator. Un, c'est bien, bah, deux, c'est encore mieux, hein, tout simplement. Surtout quand on peut affronter deux Mokrocha, hein. Donc ça, c'est, il y a un petit côté, j'ai pris le méta, il y a deux Mokrocha, bah, je vais prendre deux Navigator. Et pour Archaon, ça permet de fiabiliser. C'est-à-dire que sur Archaon, on a deux Navigators qui vont faire l'effet. C'est sur un 3+, donc quand on en a qu'un seul, ça peut être un petit peu dangereux. Là, on a sur le coup que Archaon, c'est sûr, c'est divisé par deux. Voilà. C'est pas mal parce que l'alpha peut être aussi une bonne solution pour contrer les listes comme Arcanum, qui peuvent avoir un petit peu de mal à s'en sortir contre ce type de liste. Parce qu'on peut avoir la possibilité de tuer un Kyros au tour 1, etc. Alors là, il a pris le choix de ne pas aller chercher le Vortex. On a vu, c'était ce qui est marqué dans l'analyse de Sarantai sur le site de Creative Wargame.
C'est un choix. Le Vortex, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de très bons dissipateurs. Donc, en général, ils ne jouent qu'un seul tour. Mais ça faisait partie de la stratégie de Barad Zilphin. On verra. Peut-être que ça serait intéressant de savoir si ça lui a manqué durant le tournoi d'avoir ce Vortex-là. En tout cas, c'est une armée qui va vraiment tout jouer durant le tour 1 et 2. C'est-à-dire qu'en général, c'est Zilphin, le joueur Caradon sait à la fin de son tour 2 s'il a gagné ou pas. Ou en tout cas, si la partie est bien partie pour lui. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup moins d'unités, donc il a un peu plus de mal sur les objectifs. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit faire très 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 mal. Il va tout donner sur le tour 1 et le tour 2. Donc c'est un style de jeu qui est très particulier. Il faut vraiment être aguerri quand on l'affronte. Ça qui est intéressant, c'est que lui, il va aussi jouer sur la capacité des adversaires à se protéger de cet alpha et d'avoir les ressources. Il y en a tout simplement qui, dans leur liste, n'ont pas les ressources pour se protéger de ça. Seconde faction qui représente l'ordre là, ça va être les Luminettes. Luminettes qui sont au nombre de 3 listes là pour ce tournoi, ce qui est donc supérieur à quasiment toutes les autres en dehors de Tsench et Iron Joe évidemment. Ça doit bien vouloir dire quelque chose, c'est que c'est fort, mais là il semble l'originalité c'est que les 3 listes sont assez différentes. Ouais, les 3 listes sont très différentes. Alors il faut dire pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup, parce que Luminette est une très bonne armée de solo, extrêmement polyvalente, capable d'affronter quasiment toutes les listes en face d'elle, beaucoup dépendant du niveau de son joueur et de sa capacité à manier tous les petits outils Luminette. Et donc on va voir que là ils ont tous choisi quasiment des outils différents, ce qui est plutôt intéressant dans le panel. Donc on commence par une liste, la liste de JB Deb, qui joue du coup en Sia, les deux autres jouent en Zetrek, qui sont Zetrek et le fiabilisateur de la magie de manière générale. Et Sia permet d'avoir un peu plus de combinaisons autour des pions de lumière, je ne sais même plus comment ça s'appelle, des luminettes. Du coup, lui, il joue une liste où il va chercher, on va retrouver ce stéréotype qu'on connaît bien maintenant, c'est le triple renard. C'est-à-dire qu'on a Sévirette et les deux esprits du vent dans la liste. C'est le cœur de la liste. Le deuxième cœur, le deuxième poumon, on va dire, c'est le pack de 30 sentinelles. Et le reste est un ensemble d'éléments, je dirais, de petits outils, d'accessoires pour gérer un peu du scénario et faire un peu de présence sur table ou de protection pour l'ensemble de ces éléments-là. On a le Windmage qui va trickser avec tous les éléments de Sark qui peut être assez intéressant. En soi, il va téléporter les archers, mais globalement, il est un peu là pour essayer d'escorter, de re-soigner les esprits du vent, etc. Donc il tourne aussi un peu une pièce de support par rapport à ça. On voit qu'il a choisi de jouer deux Endless Spells qui sont assez importants. Les Mraille Swarm pour soigner globalement soit les Esprits du Vent ou les Burning Gate, ou les Archers. La Burning Gate, c'est qui est un peu plus une surprise. Je pense que soit il lui restait des points, soit il a peut-être quelque chose à faire avec pour ajouter un petit peu de mortel, mais bon, ça en met déjà tellement. Il n'y a pas de trick à la Nagash ou quoi avec ça? Non, il n'y a pas de trick particulier, donc clairement pas. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, on a le triple Esprit du Vent qui est clairement une des du méta aujourd'hui qui du coup va extrêmement vite. Fait des bons tirs qui permet surtout d'empêcher les unités d'avancer via pas mal de tricks de mouvement. C'est une arme qui est intéressante, très compliquée à jouer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pendant son tour et pendant le tour adverse. À chaque fin de phase de tir, etc., on a les esprits du vent qui se déplacent. Ça prend beaucoup de temps. Donc, ça, c'est une arme qui peut être compliquée à jouer à la cloche. Ça craint certaines listes, ça craint beaucoup les armées de tir, beaucoup les armées de dommages à distance qui vont pouvoir tuer les esprits du vent assez vite. Un esprit du vent, pour être efficace, il faut vraiment qu'il tienne le plus longtemps possible dans la partie pour effectuer toutes ces petites phases, toutes ces petites actions qui lui permettent de rationaliser ses points. Donc c'est un mec qui est très important, très, très difficile à affronter. De manière générale, c'est très difficile à affronter. Il faut très bien la manier pour que ça soit efficace. Ensuite, on a la liste de table rase. On va retrouver notre ami le petit nain, Gotrek, qui là rejoint la force brute. Des luminettes avec tout simplement 50 archers sur la table. Donc les archers qui sont des meilleures unités de tir du jeu qui permettent complètement de canaliser ces matchs. C'est-à-dire que déjà à 30, on a des match-ups qui se tirent. Là, on en rajoute 20. Donc, là, clairement, on ne fait plus trop dans la dentelle. Et en fait, on a Gotrek qui va tout simplement protéger ces archers-là en disant si tu viens me chercher, entre guillemets, j'ai 50 archers. Enfin, il faut venir les chercher parce que sinon, tu ne tiendras pas 5 tours. Et malheureusement, il faut s'occuper de Gotrek. Voilà. Bon, ça, c'est très compliqué. On a un Lord Régent qui est là pour fiabiliser tout simplement les sorts de blessures mortelles à 5+ sur les archers, qui est une pièce essentielle dans cette liste. Donc clairement, c'est le personnage qui ne doit pas mourir. Et Sévirette qui va aussi faire gagner du temps. Donc là, on est encore une fois sur du gain de temps, de faire gagner du temps pour que les archers survivent, etc. etc. Ça, c'est une liste qui est très... va créer vraiment des match-ups très tranchés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des listes qui vont être incapables de gérer cette liste-là. Parce qu'elle est extrêmement orientée, c'est-à-dire qu'elle a vraiment choisi un pari. J'ai deux pièces chiantes et j'ai 50 archers derrière. Est-ce que tu es capable de passer ces pièces chiantes rapidement
ou de gérer mes archers à distance. Si tu n'es pas capable de faire ça, bah, en fait, tu n'as peu de chances de survie de manière assez rapide. Et en plus, elle a très peu de pause, parce qu'il est en une seule pause, parce que tout rentre dans un bateau régiment. Donc, en fait, il amplifie encore plus son côté un peu game break sur le match-up, c'est-à-dire dire, je vais même pouvoir choisir soit te tirer dessus en premier, soit te laisser commencer et tenter un double tour avec une liste supra létale. Donc voilà, c'est intéressant comme parti pris, une liste très, 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 vraiment très orientée. Et après, on finit par l'Alice, qui est vraiment l'archétype luminette qu'on a connu depuis très longtemps, qui est l'Alice polyvalente par excellence, qui est tout simplement la liste de Talendil avec Tetlis. Donc Tetlis, Catalar, deux packs d'archers, les Dawn Riders pour donner un petit peu de mobilité, etc. Le Mraspel Portal pour profiter de la panel incroyable de sorts de Tetlis et de son sort signature qui fait beaucoup de dégâts. Bon, ça c'est une liste qui est vraiment très polyvalente. C'est-à-dire que lui, il peut vraiment dire j'arrive à la table, je peux jouer contre n'importe quoi, je peux faire quelque chose. Mais c'est très dépendant de son skill, de la capacité des gens à gérer Tetlis, de leur vision du match aussi de manière générale et de la capacité de l'adversaire à connaître, à affronter Luminette et tout. Donc, c'est très intéressant. Les parties contre Tetlis de manière générale sont hyper intéressantes. Lui va avoir tout simplement la difficulté d'être une armée très polyvalente, c'est-à-dire que il n'a pas non plus de supra force sur lesquelles s'appuyer. Il a tout simplement le panel d'outils luminettes, donc il faut choisir les bons sorts de Tetlis. Il faut des fois prier pour pas être dissipé. Il faut parfois, enfin voilà. Donc il y a beaucoup d'éléments. Ça, mais lui, en tout cas, à la palette d'outils, il a la liste la moins tranchée dans ce qu'on a vu ce soir. Très bien, bah c'est très agréable de voir qu'il y a des possibilités qui restent compétitives différentes, avoir des options dans une liste, contrairement à d'autres, à certaines où on voit que c'est très polarisé et que c'est qu'on reste sur quelque chose de... Polarisé, c'est le mot que je ne trouvais pas depuis tout à l'heure. Merci, Je t'en prie. On passe ensuite au Séraphon, les hommes lézards pour les plus anciens. Ouais. Bon, c'est une petite allégeance un peu faiblarde. Donc on va commencer par une première liste pour laquelle tu crois pas trop, j'ai l'impression. Non, pas ouf. Le joueur, tu l'apprécies pas, je crois, en plus. Bah, pas génial, pas du tout. D'ailleurs, enfin, on peut pas se voir parce que c'est moi-même. Donc, comme j'ai beaucoup de mal avec moi-même, c'est très compliqué. Non, du coup, ouais, c'est ma liste. Donc, du coup, il faut savoir que c'est la quatrième armée que je vais jouer sur cette FSC parce que j'ai changé d'armée à chaque tournoi. Et j'ai choisi Séraphon parce que ça me semblait être le meilleur choix pour la finale, tout simplement, parmi tous les choix que je pouvais faire entre celles que j'avais jouées et celles auxquelles j'avais accès. Pourquoi ? Je vais essayer de vous expliquer. Merci. Mais en gros, Séraphon est une armée qui est de 1 très polyvalente par l'accès aux unités qui est là. Ils font de la magie, ils font du tir, ils font du corps à corps. Ils ont un très bon décor de faction. Ils sont assez peu connus sur la scène compétitive en V3 côté France. Et ils ont vraiment ce côté très polyvalent. Ce qui leur manque par contre, c'est d'avoir une unité de corps à corps assez puissante de manière générale. Et du coup, c'est là où fait le retour de notre ami nain, qui est quand même assez présent sur le tournoi. Ouais. Et le nain, pourquoi ? Alors, il y a quand même un trick que tout le monde connaît, donc je vais quand même le dire, c'est que le nain bénéficie beaucoup du décor de faction Séraphon, qui est la pyramide, qui lui permet en fait de se projeter un peu plus loin et du coup de gagner en vitesse par rapport à son mouvement de base. Voilà, tout simplement, on peut le mettre en garnison, donc il rentre dans la pyramide avant le début de la partie, il peut se projeter à partir de la pyramide, qui lui permet de faire gagner quasiment une phase et demie de mouvement par rapport à ça. Donc ça, c'est un des intérêts de le jouer en Séraphon et une des forces de Séraphon de manière générale. Et ensuite, ils ont une dissipation qui est sur toute la table. Ça, c'est une très grosse force de Séraphon de manière générale dans le méta, parce qu'on a beaucoup de sorciers qui veulent caster de l'eau de boue. On a vu beaucoup de spells portales, de choses comme ça. Donc des sorciers qui veulent caster en dehors de l'aire de dissipation. Et donc du coup, les Séraphons sont très bons dans le fait de pouvoir dissiper sur toute la table. Moi, j'ai choisi de jouer dans une sous-agence qui s'appelle la sous-agence Dracotion, qui me permet en fait de mettre la moitié de mes unités en réserve et de les faire frapper en profondeur. On utilise ça dans le jargon du wargame, un peu partout sur la table, de manière désynchronisée. Alors, c'est pas tout le temps tout le monde au tour 1, c'est pas tout le monde au tour 2. Je peux le faire un peu comme je veux jusqu'au tour 3. Et donc, ça permet une vraie flexibilité dans la manière de jouer. Ça, couplé au fait que la sous-agence que je joue en Séraphon permet aussi de téléporter une unité par tour. Mais en fait, on se retrouve à avoir vraiment une mobilité qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut, si on joue beaucoup sur la mécanique de double tour aussi avec cette liste-là, c'est-à-dire qu'on va jouer, je vais faire frapper en profondeur une unité,
elle va se traquer une unité. Ensuite, quand la personne va vouloir peut-être se focaliser dessus, tu vas pouvoir t'en aller avec ta propre téléportation pour réattaquer une autre unité, etc. etc., etc. Et donc, tu fais popper des unités via ton invocation, tu fais téléporter des unités en tous les sens. T'as en plus Gotrek à gérer, etc. Donc c'est un vrai casse-tête, de manière générale, dans la tête des ennemis. C'est une énorme réflexion et boîte à outils dans la tête du joueur. Moi, c'est une nouvelle armée que je découvre. Je l'aurais joué deux fois avant cette compétition. Ah oui. Mais c'est hyper impressionnant en termes de mécanique. Sur le papier, ça n'a pas l'air incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'unités, ça frappe fort, mais ok. Mais en fait, c'est l'addition de tout ça à la table de jeu, dans le méta d'aujourd'hui, qui est vraiment bon. Voilà. Donc Thunder Lizard, un truc qui est hyper important qu'il faut retenir, c'est que tous les dommages sur toute l'armée sont réduits de 1. Donc ça, c'est ah, quasiment une des capacités de sous-agence les plus fortes du jeu, si ce n'est la plus forte du jeu. Et du coup, lui, il a décidé de jouer sur un assemblement de personnages qui sont très fragiles, mais qui donnent des buffs très forts, de manière générale. Ils ont aussi cette capacité-là, c'est des Warscrolls qui sont très faibles, ils ont 4 points de vie, aucune sauvegarde, enfin un truc comme ça, ils sont très nuls, mais par contre ils ont des capacités de ouf, des trucs automatiques qui donnent des bonus à la touche, à sauvegarde et tout, c'est vraiment impressionnant. Donc il a choisi de prendre que des petits personnages Kings, avec une base de Salamandre et de Razordon, qui sont des excellentes unités de tir, qui sont en plus beaucoup plus difficiles à tuer avec le côté Thunder Lizard, parce que du coup, on pense tout de suite aux gros dinos, mais il y a aussi toutes les petites unités annexes, ouais, qui deviennent beaucoup plus durs à tuer avec ce trait-là. Et après, il comble ça avec le côté Stégadon et les Bastiadons, qui sont un enfer à tuer en Thunder Lizard. C'est vraiment très très compliqué. Ils peuvent tout simplement, chacun de ces monstres peut largement arrêter Archaon d'une main sans broncher. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Et en plus, les Thunder Lizard ont la capacité de déclencher un double tir pour un de leurs monstres. Et du coup, le Bastiadon, qui est une des meilleures unités de tir du jeu, quand il tire deux fois, ça commence à faire très très mal, et encore plus sur les démons. Et on a vu qu'il y avait un certain nombre de démons très puissants durant cette FSC, notamment Kyros, qui devra faire très très gaffe, parce qu'un seul Bastiadon peut largement le tuer en une seule phase de tir. Voilà, on finit donc les factions de l'ordre avec les Séraphons. Et on enchaîne tout de suite avec les factions du Chaos, en commençant par la Légion du Premier Prince, donc la Légion de Bellacor. À savoir, ouais, donc, petit rappel, la Légion du Premier Prince, c'est la toute dernière sortie de Mortal Realm, en fin de V2. Donc c'est quasiment une allégeance de V3, pensée V3. C'est, je pense, pour ça qu'on la retrouve aussi ici, en plus de toutes ces mécaniques bien cochonnes. Donc la première liste est celle d'Urben. Celle d'Urben, donc on rappelle la composition de la légende de Bellacor, c'est forcément Bellacor dedans, en même temps il est chez lui, et après on peut prendre toutes les unités venant des autres dieux du chaos. Voilà, donc on peut prendre des persos spé, on peut prendre les lignes, n'importe quelle unité, etc. Et globalement les lignes qui sont lignes dans les autres armées sont lignes dans notre sous-allégeance. On a accès à un domaine de magie propre et à des artefacts et des traits de commandement propres aussi. Voilà. Et je crois qu'il y a tout intérêt à avoir un représentant de chaque dieu, c'est ça ? Alors, il y a des bonus si on a des unités de chaque dieu, globalement, qui entourent Bellacor à ce moment-là. Ça donne des bonus à Bellacor de manière générale, de manière offensive et défensive. Mais ce n'est pas du tout une obligation. Pas le cas ici, on en a 4, on en a 3 sur 4. Voilà, il y a une mécanique d'invocation qui est importante à comprendre, c'est-à-dire qu'à chaque tour, on peut utiliser un de nos personnages pour invoquer une unité venant d'un des dieux. Donc ça peut être soit des aurores, soit des sanguinaires, soit des monnaies, soit des porte-pestes. Et ça peut être amélioré via aussi, pareil, des traits de co et des artefacts. Mais il n'y a que cette mécanique-là d'invocation, mais qui est très bonne, du coup, pour le coup. Voilà. Du coup, pour la liste urbaine, donc on rentre dans une liste qui a un certain parti pris sur certains sujets. Alors forcément, quand on va chercher dans certains dieux, on va retrouver des pièces qui sont tout simplement les plus fortes de ces dieux-là. Donc du coup, vous allez beaucoup voir Kyros, encore une fois. Donc après nos amis de chez Zen, ou avant, en fonction de comment ça sera monté à la vidéo, vous verrez Kyros. Donc voilà, donc là on a Bellacor qui est dans sa sous-agence, Kyros qui est aussi, parce que tout simplement il est hyper fort, les Blue Scribes qui sont un très bon allié de manière générale à tout dans ces listes-là. C'est une boîte à outils, hein, il faut voir ça comme ça, hein, la Légion du Premier Prince, c'est une boîte à outils, on va choisir quels outils on veut prendre. Le Blue Scribe c'est un outil tout simplement de fiabilisation de la magie, c'est-à-dire qu'on est en général pas mal de sorciers, on a un niveau deck Bellacor, un niveau 3 avec le Kyros,
On a l'Epitome aussi qui est un sorcier. Donc pourquoi est-ce qu'on prend l'Epitome, on peut dire. Attends, qu'est-ce qui fait le truc de Slaanesh ici? Personne joue Slaanesh, il paraît que Slaanesh c'est nul. Alors, certes, mais pourquoi? Déjà l'Epitome c'est pas si mauvais que ça, mais c'est un peu cher. Mais pourquoi? Parce qu'en fait on a une arme qui est un artefact en Légion du Premier Prince, qui est une lame, qui dit tout simplement, à chaque fois que mon porteur fait un 5 ou un 6 à la touche, je fais D3 mortels. Ok, déjà on se dit ok, c'est super fort. Et du coup, qui est-ce qui a le plus d'attaques dans tous les Warscrolls de tous les dieux, etc. Mais en fait, vous allez voir souvent des figurines qui ont beaucoup d'attaques. Et le contenté des 8 hommes a, je sais plus, entre 7 et 9 attaques de mémoire. Mmh. Et donc, du coup, il a beaucoup d'attaques. Du coup, ça tricks beaucoup cette lame. Et du coup, forcément, c'est pour ça qu'on le choisit. Après, il a d'autres aptitudes qui sont très bonnes. Mais globalement, c'est surtout pour ça qu'on le prend. Et ensuite, l'autre choix qu'on verra dans les Légions du Premier Prince, c'est les lignes et les unités qui sont choisies. Là, on a un vrai parti pris qui est de prendre tout simplement 3 fois 10 horreurs. Donc, on construit une véritable, un espèce de bunker de Pink Horror qu'on va renforcer avec la magie globalement, que c'est beaucoup de debuffs, beaucoup de choses. C'est une arme qui est très contrôle, hein, la Légion du Premier Prince. C'est quasiment même l'archétype contrôle le plus développé de tout Age of Sigmar. Donc c'est une liste qui, c'est en général une armée contre laquelle c'est intéressant de jouer. C'est très intéressant à piloter parce qu'on a plein d'outils. Et c'est une armée qui est, de manière générale, a une réputation d'être assez nulle en attrition. Alors l'attrition, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la capacité à tuer des unités chez l'adversaire, de manière globale, et donc on mène souvent une guerre d'attrition, c'est-à-dire c'est tuer le plus d'unités. Il y a des armées qui sont très fortes à ça et qui sont pas bonnes en scénario, par exemple. La Légion du Premier Prince, elle est très bonne en contrôle, en management un peu de la table, etc. Pas forcément hyper forte en scénario parce qu'elle n'a pas beaucoup de projection, mais par contre elle est assez nulle en attrition. Il n'y a pas beaucoup de pièces qui frappent vraiment très fort. On a un missile qui est là, l'Epitome, mais c'est tout. Et là on voit qu'il a essayé de combler ça, donc on a le Moral Spell Portal qui est un peu obvious avec Kyros, c'est un package obligatoire, hein, c'est voilà. Et on a le bridge qui permet en fait de téléporter les unités de pink, et donc ça va donner pas mal de mobilité à la liste qui en a très peu de manière générale. Voilà, donc c'est une armée qui est très bonne en scénario parce qu'elle a beaucoup de monstres et donc elle a beaucoup de facilité à faire pas mal de choses, qui est bonne en contrôle et qui va galérer sur certains pans, c'est-à-dire qu'elle galère à tuer des unités de manière générale. Voilà. Ouais. Passons donc à la deuxième liste, celle de Kent. De Ken, donc là ça va être intéressant, on va essayer de voir un peu les différences et les différents outils qu'il a pu choisir. Donc là, on a d'autres choix qui sont intéressants, donc on va retrouver Kyros parce que c'est trop fort, Belacor parce que c'est chez lui. Lui, il est allé chercher le Demon Prince, moi je trouve que c'est un excellent choix, c'est-à-dire que quand on va chercher dans le mégapole du chaos qui est le plus fort, le Prince il apparaît, c'est-à-dire qu'il est là, il a une des capacités les plus fortes de tout le jeu. Donc clairement, moi je trouve que c'est un manque à la première par exemple, et en plus il est dans ce style un peu de contrôle, c'est-à-dire qu'il empêche les charges, du coup ça tombe bien, on est nul en attrition, donc moins il y a de combat, plus on est fort. Et après, il y a le Bloodthirster, donc lui il va chercher un peu de force de frappe avec le Bloodthirster cette fois. Qui a tout simplement, ils ont un autre artefact qui est très fort, qui est l'Armure of the Pack, qui permet tout simplement de relancer ses sauvegardes d'armure. Donc c'est une mécanique qui n'existe plus à OSV3, et donc cette Légion du Premier Prince a gardé un artefact qui est très puissant là-dessus, qui reste ok parce que le Bloodthirster n'a qu'une sauvegarde à 4, et donc le Bloodthirster Insensate Rage, c'est celui qui fait des dégâts en rayon quand il fait des 6 à la blesse. C'est des bures de sang, hein, Ouais, c'est un buveur de sang, tout à fait. C'est un buveur de sang, c'est celui qui a la grande hache et qui fait des grandes circonvolutions avec sa hache et qui fait des gros dégâts en rayon. Ce qui peut être intéressant aussi avec Kyros, ça va être la mécanique de changement de dés durant une fois durant la partie. Si jamais on n'a pas besoin de contrôler son adversaire, on peut par exemple changer un des dés du buveur en 6 et du coup trixer cette vague de blessures mortelles en rayon qui est très difficile à jouer contre parce que globalement, c'est un énorme rayon. Je crois que c'est 8 pas, dans un rayon de 8 pas du buveur, c'est énorme. Donc c'est bien intéressant. Et lui, on voit qu'il allait chercher un autre outil qui est Sinessa, qui est tout simplement la voix de Slaanesh, un personnage spécial magnifique aussi en termes de figurines. Donc l'armée est sublime sur table. Hein. Il faut savoir que Légion de Première, c'est une des armées qui est la plus belle sur table, qui est une pareil qui rajoute du contrôle, donc qui est un peu plus aléatoire dans sa gestion, qui va jouer sur la bréverie en fonction des dégâts sur toute la table, etc. Elle a un très très bon sort signature. Elle tape OK. Mais du coup, elle rajoute une dimension de contrôle. Donc là, on a Kyros, Sinessa, le Demon Prince, Belacor. Ça fait beaucoup de gestion. Hein. Donc ça fait beaucoup, beaucoup de gestion. Et lui, en base, du coup, il a pris des unités plus petites, mais des Plague Bearers, qui ont des malus à la touche de base, et des Flesh Hounds, qui sont une excellente ligne, une des meilleures du jeu pour moi, qui apporte en plus de la dissipation. Donc c'est vraiment un enfer.
Et derrière, du coup, on voit qu'il va chercher le spell portal parce que ça va avec Kairos et le life swarm pour soigner ses unités. Il est relevé. Donc lui, il joue encore plus sur le côté défensif, contrôle, je me soigne, etc. Donc je suis chiant à tuer, etc. Ça met du temps, etc. etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et on voit que bah, y a une espèce de palette de personnages. Ils ont tous des aptitudes où il faut tous s'en souvenir, etc. C'est hyper intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de red le spé sur la table de manière générale. C'est pareil, encore une fois, c'est un gros, une grosse boîte à outils. Et lui, on voit qu'il a fait d'autres choix au niveau même des aptitudes, c'est-à-dire qu'il y a des bataillons. Donc, on a vu le premier, il était en une pause pour pouvoir vraiment choisir le plus bas possible en pause. Et là, on a, il n'était pas en une pause dans le premier, que je ne dise pas de bêtises, il était bas en pause, mais il n'était pas en une pause. Et on avait, et le deuxième là, il a Warlord et Hunters, donc lui il veut plutôt jouer sur je m'en fiche de quand est-ce que je commence, par contre je veux des unités de basse force contre les monstres, et Warlord pour aller chercher la muette du Destiny pour protéger mon Sept of Darkness Demon Prince, tout simplement parce que c'est une pièce essentielle pour moi. Voilà. Donc c'est super intéressant les choix qui sont faits des joueurs, et j'aime beaucoup ces listes là. On reste dans le chaos. On met de côté un peu Bellacor et on va dans les du côté des plumes bleues et chatoyantes. Du côté des piafs. Des pigeons magiques. Ouais, ouais, exactement. Beaucoup d'amour envers eux, hein. Respect, tout ça. Donc on passe sur les listes de Zench, c'est selon les régions. Cinq listes, hein, c'est les plus représentées avec les Iron Joe. C'est pas pour rien aussi. On va retrouver des listes assez similaires. On en a quatre qu'on va faire en tir groupé et une dernière qui a quelques particularités. Donc on se concentrera dessus ensuite. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire donc de ces listes? Ouais. Alors du coup je vais déjà commencer par citer les joueurs. Donc on a Mathieu, Misterza, Mortout et Neo, qui sont les joueurs Arcanum, et après on reviendra sur la liste de Franck en dernière qui joue Eternal Conflagration. C'est pas moi. Donc effectivement, on a tout simplement les Host Arcanum, Zench Host Arcanum, c'est pour moi, et a priori du fait du tournoi, la meilleure liste de tournoi d'Age of Sigmar compétitive aujourd'hui. On va essayer de comprendre pourquoi. Bon, c'est une version qui joue de manière générale, il y a une petite exception ici, mais qui joue de manière générale Arcanum, Kairos, certains des entrées de magiciens, donc on voit ici, il y en a plusieurs, on a le magister, on a même le shaman Umbet dans une des versions, on retrouve aussi le blue scribe pour fiabilité dans une autre, ou encore une fois dans une autre, on a même le comment est-ce qu'il s'appelle ce petit l'ogre de Thaumaturge. Voilà, ça c'est le panel entre guillemets de sorciers sur lequel on peut aller chercher, donc ils ont tous fait des choix un peu différents, c'est plutôt sympa. Ça offre un petit peu de diversité. Une des autres forces, c'est que c'est une sous-allégeance qui met en ligne les Screamer of Zench, qui sont du coup une des lignes les moins chères, les plus rapides et efficientes du jeu. Ils en invoquent en plus 6 au premier tour via leur personnage. Donc ils rajoutent, il faut savoir que chaque liste du coup rajoute 6 Screamers dans son armée dès le tour 1. Et c'est une liste Host Arcanum qui offre un panel de trucs qui est hyper fort. Donc ils rajoutent 6 screamers, ils ont des dissipations, une dissipation automatique au tour 1, au tour 3 et au tour 5. Et ils ont le truc qui est le truc qui fait vraiment la liste, c'est un mouvement pré-parti de 6 pas avec des unités qui ont le vol. Voilà, il y a des 3 unités qui volent, qui font ça durant la partie. Donc c'est hyper fort. les trois règles déjà de sous-agents sont monstrueuses. C'est-à-dire que les trois sont hyper fortes. Alors, ajouté à ça, on ajoute toutes les mécaniques de Zench, on va pas revenir dessus parce que c'est déjà très connu, mais les dés du destin, la fiabilité, la capacité d'invocation qui est hyper forte. On a vu qu'il y avait beaucoup de sorciers ce soir. Donc c'est-à-dire que eux-mêmes génèrent des points de destin. Leurs adversaires vont leur générer des points de destin. Donc ils vont facilement, à chaque tour quasiment, générer une unité supplémentaire de 10 blue ou attendre pour générer des unités encore plus puissantes. Ils ont une capacité de projection qui est énorme. Ils jouent sur le fait que Arcanum a une grande fiabilité avec sa tueuse des rois pour pouvoir tuer les personnages adverses. Ils ont une très bonne capacité à mettre des blessures mortelles à distance. Donc, ils ont une bonne addition entre le dommage pur sans mortel venant d'Arcanum et les mortels venant de la partie démoniaque magie.
ils ont une partie de contrôle qui est intéressante via les dommages que font les sorciers, la création des enfants du chaos de Kairos, le contrôle map que donne Archaon avec sa tueuse des rois, qui fait qu'en fait il interdit une zone de la map à quasiment beaucoup de personnages du jeu. Et le fait qu'en plus, il permet de simplement fiabiliser tout ça, c'est-à-dire que tout est très fiable avec cette armée-là. Il permet aussi de contrer, on a les disciples automatiques, on a toute une panel d'unités volantes qui permet de charger par-dessus, de se projeter, d'aller chercher des objectifs. Et le Locus de Zenj qui permet tout simplement d'améliorer le tanking de l'armée au global. Et en plus des sorts de Zenj qui permettent de renforcer Archaon avec Infusion Arcanum qui booste son dégât, Shield of Fate qui permet de booster son tanking. Bref, tout le panel du jeu est fait pour s'accorder avec cette liste de manière générale. Donc les règles de V3, les règles de Zenj, etc. Tous concordent pour créer une liste qui est pas loin de la perfection de ce qu'on peut attendre d'une liste de tournoi, c'est-à-dire capable de tout affronter, à des armes contre toutes les styles de jeu, c'est-à-dire que vous ayez des unités de tir qui sont au fond de la map, que vous ayez des unités puissantes de corps à corps, que vous ayez des unités qui tankent les mortels, qui tankent pas les mortels, mais qui tankent les blessés normales. Ben, en fait, l'armée a une réponse contre tout. Voilà, c'est-à-dire que, alors, elle est, du coup, parfois en manque sur certains volets, mais globalement, elle est très forte contre tout. Elle peut dire, tiens, t'as tel type d'unité, attends, je cherche deux secondes, c'est ça qui répond dans ma liste. Mmh. Voilà. Et c'est ça qui crée la force de cette liste aujourd'hui. Pour finir, la liste un peu particulière de Zenj, c'est celle de mon homonyme, Franck. Ouais, donc on a Franck Selves qui a fait des excellents résultats et qui est du coup un joueur de l'équipe de France de cette année qui jouait aussi Zenj dans une autre sous-agence, mais qui jouait Zenj quand même. Mm-hmm. Donc, il joue en Éternelle Conflagration. Alors, Conflagration, ça fait quoi? Conflagration, ça booste tout simplement le tir de l'armée de Zenj. Donc, on se dit, ok, super, mais là, il n'y a pas d'incendiaire qui sont la principale unité de tir de l'armée. Mais on a les Pinkor. Les Pinkor, ça délivre quand même 3 tirs par figurine. Et quand on rajoute cette petite saturation avec une reine moins 1, on passe de pas de reine à reine moins 1, ça crée un certain différentiel, surtout sur certaines unités. Et derrière, du coup, on a cette espèce de masse de points de vie d'horreur qui peut se téléporter avec le Sous-Scream Bridge, supporté par une très bonne magie de DPS, donc de dégâts à distance avec le Kairos Magister et le Fate Master, qui permet en fait de créer une combinaison qui peut être assez difficile à affronter. C'est-à-dire, déjà, il faut se sortir de 30 horreurs. 30 horreurs, c'est énorme, ça représente une masse de PV monumentale. On est sur par exemple 300 PV qu'il faut sortir. Ouais. Donc, il faut avoir une masse d'attaque pour commencer à sortir ça. Et pourtant, on se prend des dégâts, la magie et tout. Et donc, voilà, il faut se dire que avec le Scream Base, vous avez une espèce de rideau d'horreur qui vous saute dessus, qui va se démultiplier en plein de petites horreurs, qui va en plus vous tirer dessus à tous les tours pendant que vous êtes au combat. Et donc, c'est une armée, déjà, il faut un peu comprendre comment ça fonctionne, se préparer à recevoir cette espèce de mur qui va nous enfermer chez nous. Pendant que lui, il va marquer des points, il va invoquer, il va machin, etc. Donc, c'est complètement une autre mécanique, c'est-à-dire qu'on n'a aucune unité de corps à corps dans l'armée. C'est pas compliqué, personne ne fait du corps à corps là-dedans. Donc, par contre, on sature beaucoup de tirs. On sature vraiment beaucoup. Hein. On jette 30-20 ans, ça jette 90 tirs hein, avec un drain de les 30 horreurs. Donc ça peut tomber plein de trucs. Notamment des méga gargantes. Je crois qu'il avait commencé à construire sa liste pour ça, d'ailleurs, pour tuer les très gros behemoths. À voir si ça marche sur le reste du méta, ça je ne saurais pas le dire. Voilà, c'est une liste qui est intéressante. Ce qui est cool, c'est de voir autre chose. C'est-à-dire qu'on sait que Franck est un joueur extrêmement compétitif. Il joue ça à la finale, donc entre guillemets, pour lui, c'est adapté dans la méta. Ça veut dire que je lui fais entièrement confiance, ça doit être adapté à la méta. Et donc, je serais très curieux de voir s'il arrive à montrer qu'il y a autre chose que Star Canum, parce que le bouquin Z, c'est un bouquin hyper riche, avec plein de forces intrinsèques, dont cette sous-allégeance est un conflagration qui a plein d'éléments hyper puissants qui sont dedans. Donc, ça va être hyper intéressant de suivre comment est-ce qu'il s'en sort par rapport au reste. Ce qui conclut donc cette analyse de liste de qualité supérieure. elle fut peut-être longue, mais elle est, je pense, complète, je l'espère. Pour terminer, les gars, donc vous me rejoignez pour conclure, et on va conclure en essayant de faire quelques pronostics des résultats de cette finale.
allez, sans plus attendre, qui sera la cuillère en bois. C'est le cuillère en bois dans un tournoi, c'est la dernière place. Par contre, on doit être d'accord. J'avoue qu'après mûre réflexion, mais le choix, c'est quand même fait en quelques secondes. Il y en a un qui est meilleur que les autres pour ça. Hein. Pour moi, celui qui a de grandes chances d'arriver dernier. Le grand potentiel. On a le même. On a exactement le même. Je te laisse l'annoncer parce qu'en plus, tu le connais pas trop. Donc, moi, je suis sûr, franchement, je pense que c'est un petit joueur un peu débutant. Je pense que Mila. Ouais, Miladin. Miladin de son prénom. Miladin, Moulkouille, comme on l'appelle dans le milieu. On l'appelle dans le milieu mexicain. Dans le milieu mexicain, il y a deux. Ah, c'est... Tu vas faire ce que tu peux, bisous quoi. Après, c'est dur pour lui. C'est pas évident de tenter cette place-là, parce que c'est pas. Ça demande de l'effort. Ne pas faire deux points de. Ah non, il peut faire des points. Ou deux. Voilà, deux ou trois. Deux, non, mais il en fera pas. Donc, bon. Moi, je te salue, Miladin, je t'aime bien quand même. Bah. Ah mais on l'aime bien, hein. Il faut gagner. Maintenant. Sorry, hein. Bisous. Trait de balivernais, de bavardage. Alors sans forcément citer un grand gagnant, bon, il semble assez évident que Tsench et Iron Joe vont se diriger vers les podiums. Il y a des chances. Après, il y a 10 listes, donc ça veut dire que tout le monde n'y sera pas. Non. Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient faire vraiment la différence? Il y a des match-up qui vont vraiment jouer, savoir qui va affronter qui. Les pairings vont jouer pour beaucoup aussi. Voilà, la liste, le scénario, qui va affronter qui. Parce que mine de rien, bah, comme on le disait, on est sur un jeu un petit peu de Shifumi, enfin vraiment de qui affronte quoi. Donc un Zenge qui affronte sa Nemesis en première ronde, ça peut lui pourrir son tournoi. Un Iron Joe pareil. Il y a vraiment beaucoup de joueurs, en plus de bons joueurs, dans ces allégeances-là. On pense à Mister Zaha, on pense à Paul, et de l'autre côté, on pense aussi à Lucrage, à Andrea, sur les Iron Joe. Enfin, vraiment, des gros joueurs sur des grosses listes. Je dirais, en tout cas, ceux qui m'intéressent, ceux que j'ai envie d'aller voir jouer, c'est effectivement Titi, on sert à fond. J'ai vraiment envie d'aller le voir, j'aimerais bien voir Juju, Mila, j'aimerais voir comment ils performent avec leur liste. Ce qui m'intéresse, presque pas forcément de voir s'ils vont finir premier, mais en tout cas de voir comment ils vont se débrouiller par rapport aux match-up difficiles qu'ils vont avoir. Mmh. Et voir même quelqu'un qui va pas forcément gagner, là, franchement, moi j'y vais pour voir un petit peu comment le comportement vis-à-vis de la table, comment vous allez vous dépasser pour, ok, peut-être ce match-up-là est perdu. Mais est-ce que tu vas aller gratter les petits points qui, en fait, en solo, ça peut t'aider à faire une meilleure place après. Mmh. Et en team, surtout, moi, ça change ma vie. Hein. Clairement. Après, toi, t'as connu ça, malheureusement, de devoir gratter les points en team. C'est ça. J'ai fait le taf. vous avez pu voir, notamment, pendant le Creative Championship, on est sur 40K, certes, mais quand on voit des joueurs en équipe, comment ils ne lâchent rien, même quand ils sont en solo d'ailleurs. Même si T1 s'est plié, ils vont rien lâcher jusqu'au bout. Et bien, mine de rien, ça c'est du mental, en particulier en solo, c'est pas évident. Donc bon courage, parce que là je pense que sur les 30 joueurs, j'en connais aucun qui va lâcher quoi que ce soit. Donc franchement, ça va être dur. Je pense aussi qu'effectivement, il y a les grandes allégeances qui sont un peu devant et qui font un peu peur, les Iron Joe, les Lissip of Zench, etc. Mais je pense qu'il faut quand même se méfier des petites des allégeances qu'on voit moins, la Doc, le Stormcast Eternal, tout comme même aussi la Skaven, qui peut performer, justement, battre ces grosses allégeances sur un bon scénario, sur un bon truc, et qui peuvent, un peu peut-être même en sous-marinant, et s'en sortir, et finir par faire un podium, etc. Donc, moi, comme tu l'as dit, les 30 joueurs sont des bons joueurs, ils n'ont pas volé leur place, ils sont là parce qu'ils la méritent. Donc les cartes sont plutôt bien réparties. Maintenant, ça va être un peu plus que... Quand on arrive à ce niveau-là, c'est pas seulement juste du niveau de jeu, ça va être aussi après aussi un petit peu des fois la chance aussi qui peut nous aider. Un jet d'initiative qui nous remet devant, etc. Donc, ou qui tu affrontes. Qui tu affrontes, etc. Donc les joueurs vont être tous à leur maximum, ils vont rien lâcher. Donc voilà, les cartes sont relancées, sont lancées pour cette finale en tout cas, et ça va être intéressant, c'est une belle finale. J'avoue, franchement, je sais pas encore qui va finir premier, mais en tout cas, il y aura des beaux matchs qui vont arriver. Bah, on sait déjà, c'est pas Milan, c'est sûr. Je pense que Salis peut faire quelque chose. Oui, je suis très curieux de voir ce que Salis va faire. Quoi de mieux que ces derniers mots pour conclure, n'est-ce pas? Les gars, je vous remercie. Merci à toi. Franchement, c'était super sympa de venir. Bah, c'est un plaisir de pouvoir partager sur ce jeu. J'espère que la communauté
enfin, appréciera la vidéo, donc n'hésitez pas à nous le dire, savoir si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres, ou si vous voulez qu'on s'intéresse plus à certaines listes ou autres, enfin vraiment, dites-nous ce que vous voulez en fait, parce que c'est vrai que sur le milieu compétitif, il n'y a quand même pas énormément de vidéos, donc faites-le nous savoir. Et sur Creative Wargames, tout est à construire aussi, parce que vous le savez qu'on reprend à OS petit à petit. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à nous proposer des choses. On est là pour essayer de vous satisfaire du mieux possible. Je vous remercie aussi, parce que je vous ai remercié vous, mais tous nos intervenants, Nivek, Titi, d'être venus ou d'être avoir pris le temps de faire ce boulot assez colossal, d'analyser 30 listes en quelques jours. Donc bravo à vous et bravo à eux. Je remercie toujours nos partenaires. Les liens affiliés, etc., sont dans la description. Dans la description, vous retrouverez aussi le lien vers le site de la OSFF. Vous retrouverez toutes les invocations. Hein, voilà. Vous pouvez invoquer tout ce que vous voulez. Et surtout, vous retrouverez les résultats du tournoi sur le site de la OSFF. Mais je pense qu'on pourra aussi les retrouver sur le site de Creative Wargame. On transmettra, bien entendu, les résultats. Et peut-être même un retour de la part de certains sur ce qui s'est passé. Si l'article vous a plu, celui de l'analyse de liste, pourquoi pas, avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un article écrit qui condense un peu tout ce qui s'est dit. Ça va peut-être faire un peu bis répétita s'ils sont allés jusque-là dans la vidéo. Si vous avez oublié un truc, allez checker. Allez jeter un œil, ça fera plaisir à Santa qui a fait un sacré boulot aussi là-dessus. C'est sûr que ça en a par contre. Hein. ça se lit plus vite. En attendant, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis ciao les seigneurs de guerre.